بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله جل وعلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم. On se retrouve donc ce soir pour encore un cours de Aqida, la croyance du musulman, en 200 questions-réponses. On reprend la question, si je ne m'abuse, 129, à la page 179, pour ceux qui ont le livre, page 179, question 129. Donc on avait vu des choses, on est toujours sur l'au-delà, hein, sur l'au-delà, le rassemblement... On a vu par rapport au talion, le bassin, hein, la preuve, la dernière question qu'on a faite, si je ne m'abuse, c'est la preuve de la foi au paradis et à l'enfer. Donc avec les adillas qui vont en ce sens. Et la question 129 maintenant, hein, c'est que signifie cette foi au paradis et à l'enfer? La réponse est simple, et le cheikh dit, elle signifie la croyance ferme en leur existence. Là, vraiment, tu dois être convaincu, yani, que paradis et l'enfer, ça existe. La croyance ferme en leur existence. Hein, et qu'ils existent actuellement. D'accord? Qu'ils existent actuellement. Le paradis et l'enfer sont d'ores et déjà créés. Existants. Mais idnillah. Qu'ils subsistent, car Allah les fait subsister. Ce sont des créatures. Donc le paradis ne subsiste pas seul. Hein, c'est une créature d'Allah Azzawajal. Il a ce besoin d'Allah. L'enfer, c'est pareil. On va voir quand l'enfer aussi, hein, il a parlé à Allah Azzawajal et qui dit je me consume. Hein, je me consume, une partie de moi consume l'autre, comme le hadith dit, hein, etc., etc. Donc, on a la croyance ferme en l'existence du paradis et de l'enfer. On sait qu'ils sont, ils existent actuellement, qu'ils subsistent, car Allah les fait subsister, car ce ne sont des créatures, hein, et ils ne seront jamais anéantis. Pourquoi? Parce qu'ils ont été créés pour être, bi-idnillah, éternel. Puisqu'il y a l'enfer éternel, pour une certaine catégorie de personnes, car la fasse qu'on ne fasse pas partie d'eux, et il y a un paradis éternel pour d'autres types de personnes, car la fasse qu'on fasse parmi eux, car la fasse qu'on soit parmi eux. Non. Donc c'est pour ça qu'ils ont, hein, ils ont été créés pour ne jamais être anéantis. Ainsi, quand tout ce que comporte l'un comme délice et l'autre comme châtiment, on doit croire aussi que dans l'un il y a des délices, qu'Allah nous les accorde, et dans l'autre des châtiments, qu'Allah nous en préserve. C'est aussi simple que ça, à la fois au paradis et à l'enfer. Voilà la réponse du chir. La question 130. Quelle est la preuve maintenant de leur existence actuellement? Comme j'ai dit, plutôt comme le chir a dit, comme le savant dit, ils sont d'ores et déjà créés et existent. Allah Azza wa Jal nous a informé qu'ils sont déjà aménagés. Ainsi, subhanahu wa ta'ala, il dit à propos du paradis, il est préparé pour les pieux. Il n'a pas dit, hein, ça c'est le verset 133 de la sourate 3, il n'a pas dit, il sera préparé pour les pieux. Il est préparé pour les pieux. Donc c'est quoi? Du participe présent. C'est du présent. Et au sujet de l'enfer, subhanahu wa ta'ala, il dit, il est préparé pour les infidèles. Il est. C'est pas il sera. Ou il était. Non, c'est il est. Donc c'est maintenant. Il, Azza wa Jal, nous a également informé qu'il fit habiter Eden, Aïsselem, et son épouse au paradis, avant qu'ils ne mangent de l'arbre. Vous savez, hein? Donc s'ils ont été Eden et Hawa au paradis, avant qu'ils ne mangent de l'arbre, c'est bien qu'il était créé. D'accord? De même, Allah Azza wa Jal nous a informé que les mécréants seront exposés au feu matin et soir. Seront exposés au feu matin et soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai regardé le paradis et j'ai vu que la plupart de ses habitants étaient les pauvres. Étaient les pauvres. Donc c'est-à-dire que s'il a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand il a vu, hein, quand il a eu, notamment par rapport à l'ascension, etc., il a vu des choses, il a fait des choses qui sont propres à lui. Donc s'il dit j'ai regardé le paradis, c'est encore une preuve que le paradis il est là. Il ne peut pas dire j'ai regardé le paradis s'il n'est pas encore là. Et j'ai vu que la plupart des habitants étaient des masakines, des pauvres. Et j'ai regardé dans l'enfer, et j'ai vu que la plupart des habitants étaient des femmes. Étaient des femmes. À ce propos, par rapport à une annotation, à propos des femmes, peut-être que certaines sœurs diraient mais pourquoi? Ou certaines féministes. Vous voyez, regardez l'islam, ça dénigre la femme, etc. Il y a une explication à tout, et je vous demande donc toute votre attention, mes sœurs. Donc voilà, une preuve aussi que l'enfer est créé, puisqu'il a vu que la plupart des habitants étaient des femmes.
Donc ça, c'est un hadith qui est connu, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, d'accord, d'après Imran ibn Hussein. Et le prophète expliquait en fait que les femmes sont majoritaires en enfer. Pourquoi? Il a dit dans un hadith: « Oh vous les femmes, faites l'aumône, car j'ai vu que vous étiez les résidents les plus nombreuses en enfer. Hein » Elles demandèrent: « Et à cause de quoi, ô messager d'Allah ?» Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam: « Vous maudissez trop souvent et vous êtes ingrates envers votre conjoint. » Donc moi, je vais dire quelque chose par rapport à cela. Sahih, tout d'abord, on sait, hein, les femmes, j'ai dit les femmes, j'ai pas dit toi, ma sœur, ou toi, ma sœur, ou toi, ta sœur, ou ta mère, ou ton... Non, il y a des femmes d'exception dans notre communauté, il y en a eu, il y en a, il y en aura. Et qu'Allah vous compte parmi celles-ci, tout simplement, tout ce que je peux vous souhaiter. Et c'est ce que, hein, c'est ce qu'on attend de vous. Mais là, j'ai dit les femmes. Comme on dit des fois, hein, les hommes, c'est comme si... Oui, c'est une catégorie d'hommes, la plupart des hommes, d'accord ? Bien, les femmes, de manière générale, maudissent trop souvent, c'est la vérité. Elles ont toujours le juron facile, comment ils appellent ça ? L'espionnage, ils font les maquerelles, comment on appelle ça ? Elles regardent tout, elles épient, la médisance, elles ne se rendent même pas compte. Elles ne se rendent même pas compte, certaines femmes. Elles médisent, elles calomnient, elles ne se rendent pas compte en fait. C'est comme si c'était inné chez eux. C'est pour ça que des fois on dit, quand on voit des hommes s'adonner à ce genre de choses, « Ah, vous faites comme les femmes, vous parlez comme des femmes. » C'est connu que les femmes, comme sur la place du marché, quoi. Hein, toujours à débattre de tout, à parler de tout, etc. Ça, c'est le propre des femmes. Donc là, en l'occurrence, c'est vous maudissez trop souvent. Et enfin, être ingrate envers votre conjoint. Ça aussi, c'est très très souvent. Ça, c'est une de nos épreuves, mes frères. Et n'espérez jamais, pour les frères qui sont présents dans la room, soit déjà mariés, soit qui, Inch'Allah, se marieront, eh bien, n'espérez pas avoir une femme parfaite avec qui elle sera elle vous témoignera d'une grande gratitude, etc., etc. Même si c'est une des meilleures de la ville ou du pays même. C'est ce que c'est dans la nature de la femme en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ce que j'ai compris avec le temps, sans absolument rabaisser mon épouse, parce qu'on n'est pas là ni pour faire ça, et puis c'est pas correct, et puis c'est pas le cas, j'ai rien à lui reprocher. Mais et puis si j'avais à le faire, je le ferais certainement pas devant vous. Mais c'est pour vous dire que je l'ai compris avec le temps de manière globale. Il faut pas espérer ça. Ça n'existe pas, en fait. Il y a des femmes plus ingrates que d'autres, certes, il y en a que ça va, voilà, elles font preuve de gratitude, mais de manière générale, la femme est passionnée, d'accord ? La femme est têtue, est orgueilleuse, elle est passionnée, et, hein, voilà, c'est des défauts qui reviennent tout le temps chez les femmes, et elle est très ingrate. Tu peux lui donner, il y a des hadiths dans ce sens. Il y a un hadith, il n'est pas cité là, on a d'autres éléments qui vont suivre derrière, dans le hadith qui est rapporté, mais dans un autre bien connu, l'homme, toute sa vie, il lui fait du bien, et puis il y a une moindre chose qui va lui déplaire, je sais pas, il lui a pas payé ce qu'elle voulait, ou il lui a pas laissé faire la sortie qu'elle voulait, et elle va dire: chez toi, je n'ai vu aucun bien. Alors, c'est pas toutes les sœurs qui vont dire ça, mais la plupart des femmes, elles se comportent de la sorte. La plupart des femmes se comportent de la sorte. C'est-à-dire que, voilà, elles vont oublier, elles oublient bien souvent, et même si, on le voit, même si, pour les frères qui sont mariés, même si elle te dit pas, texto, je n'ai vu chez toi aucun bien, parce que c'est assez dur, elle va vraiment te faire la tête, alors que dans la semaine, tu lui as donné ça, 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 tu lui as fait ça, tu l'as fait sourire sur ça, t'as été, voilà, plein de bienfaits, et c'est comme si qu'en fin de semaine, il y a un truc que t'as pas autorisé ou quoi, et son visage fait comme si qu'elle avait tout oublié. Ça, c'est le propre de la femme. Et des femmes qui sont belles, pieuses, douces, charbonneuses dans le foyer, bonne maman, bonne amante, enfin, je peux dire amante, enfin, je veux dire, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est très affectueuse, voilà, féconde, et en plus, qui à chaque fois te remercie pour le peu que tu lui donnes, mes frères et sœurs, vous cherchez une femme du paradis, là. Ça n'existe pas. Donc, c'est pas pour rabaisser mes sœurs, c'est au contraire pour les... Au contraire, c'est ni un compliment pour vous, c'est plutôt pour raisonner les frères. En fait, c'est dans votre intérêt que je dis ça, mes sœurs, c'est pas un rabaissement, c'est pour exposer votre vraie nature, vous êtes comme ça, et pour que les frères arrêtent de se faire des fantasmes. Il y a trop de frères qui cherchent la femme parfaite et qui divorcent à tour de bras. Arrête, mon frère. Là, ça n'a rien à voir avec la aqida proprement dit, je rebondis sur le hadith, mais je me permets de faire nasiha, car le din, c'est nasiha, donc c'est le conseil. Et j'ai plein de défauts, mais de manière générale, je sais, mais il n'est là, ça avec ma facilité, que je suis entre guillemets connu pour être de bons conseils.
via l'expérience, etc. Alhamdulillah, si je peux en être. Eh bien, je conseille de freiner, de rétrograder un petit peu avec cette quête de la femme parfaite et rétrograder avec le divorce. Il y a quelque chose qui va lui déplaire, mais mon frère, il va voir une chose qui lui déplaît, une deuxième, une troisième, mais mon frère, mais c'est évident. Et lui directement, talak, divorce. Bah, t'as pas fini, frère. Et il en reprend une autre, et divorce. On en connaît des frères, ils ont un palmarès. On parle pas des frères qui, attention, hein, presque forniques. J'ai bien dit presque, parce qu'ils se sont mariés dans le halal, soi-disant. C'est vrai que le mariage, tiens, il est halal. Mais bon, il avait déjà dans la niya de la larguer, la sœur, de la jeter, deux jours après le mariage. Donc, au niveau de la niya, il rendra ses comptes. S'il ne se rend pas, il rendra vraiment des comptes, parce que pour moi, c'est une fornication déguisée. Il veut jouer ça le halal, mais en vérité, bref, vous comprenez. Je parle pas de ces frères-là. Je parle pas de ces frères-là immondes qui jouent avec les sœurs. Bref. Non, ceux qui essayent. Ils vont faire 2 mois avec l'une, 3 mois avec l'autre. Mais ils ne supportent pas le moindre défaut. Le moindre manquement chez la femme, elle se prend des coups, elle se fait traiter ou elle est divorcée. Mon frère, il va falloir que tu passes. Tu veux durer 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans? Mon frère, il va falloir t'accrocher. Des fois, elle va te rendre fou. Tu vas dire, subhanallah, quelle arrogance. Qu'est-ce qu'elle est hautaine. Mais qu'est-ce qu'elle est passionnée. Mais elle comprend pas. Mais elle est bête ou quoi? Et tu vas vraiment des réflexions comme ça. Prends l'air. Moi, c'est un conseil que je donne. Prends l'air, pardonne-lui. Rahma. On doit avoir Rahma dans le couple. Alors, tu peux lui reprocher des tas de choses. Bah, fais une liste, mon frère. Prends ton bloc-notes dans le téléphone. On a ça aujourd'hui. Ou prends un calepin, note. Dis, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela, subhanallah. Mais dis à Allah de lui pardonner. Dis à Allah de la guider. Et toi, repends-toi de tes péchés. Car si tu as des soucis avec ton épouse, c'est à cause de tes péchés. Ça, déjà, c'est premièrement. Donc, tu dois dire, astaghfirullah, quand elle te prend la tête, comme on dit. Hein, dans le langage courant. Elle te prend la tête, tu dis astaghfirullah. Et si même tu fais astaghfirullah et tu n'es pas beaucoup dans les péchés, pour toi en ce moment, eh bien c'est ton épreuve. C'est ton épreuve et c'est lié à sa nature. Pardonne-lui, rahma, laisse couler. Tant que ce n'est pas des choses extrêmement graves. Elle n'a pas manqué de respect à ta mère, ou elle n'a pas maltraité ton gosse, ou, tu vois. Hein. Un frère, un soir, la femme est fatiguée, elle fait un peu de la tête, elle ne veut pas avoir le rapport. Il lui jette le hadith au visage. Toute femme qui refuse un rapport à son mari, subhanallah, doit s'exécuter sur le champ. Non, les anges la maudissent, les anges vont le maudire. Je te talak. Ah, mon frère, t'as pas fini. Faut un peu. Eh oui, mes frères. Eh oui, les gars. Il faut redescendre un peu parce que sinon tu finiras célibataire. Ou sinon tu vas enchaîner les sœurs. T'arriveras pas à trouver cette sœur-là que t'imagines qui... Non, ça n'existe pas. Moi, je suis convaincu aujourd'hui, peut-être que je l'ai cherché dans le passé, peut-être que j'ai attendu de ma femme à m'en donner des choses sans rentrer dans le privé, dans l'intime, mais vous voyez, dans le général, peut-être que j'ai attendu des choses qui n'existaient pas. J'ai voulu attendre des choses qui n'existaient pas. Donc, se contenter de ce qu'on a, voir les qualités. Hein, le prophète, Hassan Selem, dit... C'est pas cité ici parce que c'est un livre d'Aqida, donc c'est lié à la création de l'enfer et du paradis, mais les femmes sont citées dans un livre de fiqh, qu'on aurait pu en parler. Le hadith est connu, si le croyant voit chez sa femme croyante une chose qui lui déplaît, en gros qu'il mette de côté, qu'il regarde ses qualités, il verra forcément des choses qui vont lui plaire. Donc mon frère observe avec l'œil de l'âme, avec l'œil bienveillant. Ah, elle a ça comme qualité, ça comme qualité, ça comme qualité, ça comme qualité. Beaucoup, je sais pas, aimer le sitar. Mashallah, sans qu'on lui demande. Elle prie à l'heure. Elle s'occupe bien de mon fils ou de ma fille. J'ai toujours à manger. Mon linge est propre. J'ai quand même des rapports sexuels assez réguliers. C'est pas... On a entendu des cas, des fois, question des couples dans des trucs. Enfin, ils sont dans des trucs, je sais plus. Un an, c'est ajib. C'est même haram. C'est un an sans couper les vannes. Je sais plus si c'était l'homme qui coupait ou la femme. Enfin bref, des trucs horribles. Mais des fois, des frères, ils ont pas assez dans le sens où c'est pas à leur convenance. Je sais plus des fréquences très très rapprochées. Je sais pas. Je dis des chiffres comme ça, j'en sais rien. Mais 4 ou 5 fois par jour, la sœur, elle peut pas assumer ou elle n'a pas envie tout simplement. Et le frère direct, oh là là là, oh là là, calme-toi, frère. Si 2-3 fois dans la semaine tu peux avoir contact avec elle, alhamdoulilah, dis alhamdoulilah, il y a des célibataires, ils se mordent les doigts seulement, ne peuvent rien faire, etc. Donc vois tout le khair que tu as et tout le négatif, balaye-le. Et dis-toi que c'est dunya et que rien n'est parfait. Moi, c'est mon exhortation, ça, aux frères en défense des femmes finalement, puisqu'elles sont tordues, puisqu'elles sont ingrates, puisqu'elles sont passionnées, elles sont comme ça. Hein? Et celle qui dira non, c'est pas vrai, on n'est pas comme ça, c'est une féministe. C'est qu'elle n'arrive même pas à regarder sa propre nature. Elle voit pas les choses. Elle voit pas les choses, elle admet pas, elle est dans le déni, ou elle est laïcarde, ou elle est trop avec les mécréantes et leurs idéaux, etc. Même certaines femmes mécréantes admettent que, elles disent, nous les femmes, hein, comme on connaît, on est comme ci, on est comme ça, et elles admettent, elles font oui, c'est ce qui fait notre charme, etc. Bref, ces phrases-là connues, mais certes, ça fait le charme de la femme, c'est comme ça qu'elle est tordue,
D'accord? Voilà mon exhortation à ce sujet, espérant que ça touchera des cœurs. Hein. Mes sœurs, moi j'ai rien contre vous. Vous êtes tel cœur, l'Arzel vous a créé. Nous aussi on a nos manquements, nous aussi on a nos défauts. Vous certes, vous êtes de la sorte. Donc je continue le hadith. Hein, et à cause de quoi, au messager d'Allah, il répondit, vous maudissez trop souvent et êtes ingrate en fait, envers votre conjoint. Et donc je vous enjoins aussi, mes sœurs, après avoir exhorté les frères pour la patience, à être douce avec votre mari, douce, aimante. Essayez de ne pas, voilà, ça c'est des conseils théoriques entre sœurs, vous vous donnez. Mais venant d'un homme, peut-être que ça vous touchera plus. Parce que peut-être entre sœurs, je sais pas, vous dites ouais, mais c'est une femme qui me le dit. Peut-être que la bouche d'un homme, à savoir qu'est-ce qu'attend un homme, c'est pas très très compliqué, vous savez. Il faut, nous on n'est pas très très, pas très compliqué. Il faut, il y a besoin de douceur, de la gentillesse. Une femme qui est hautaine, enfin, comme moi je parle pour ma part, l'arrogance chez une femme, c'est très laid. Avec une femme qui parle doucement. Une femme qui n'ose pas le ton sur son mari. Une femme qui ne se rebelle pas. D'accord ? On ne parle pas de la femme parfaite. Elle peut avoir des manquements dans sa personne, dans sa religion, dans plein de choses, dans le foyer et tout. Hein ? Mais ce qui ressort le plus, c'est l'arrogance qui dérange les frères. Et moi, le premier. Hein ? Une femme qui tient tête, qui relève la tête, qui commence à faire la lionne pour rien. Ça lasse. Ça fait vraiment partir l'amour dans le cœur. Et c'est très vilain. Donc soyez douce, soyez aimante. Craignez Allah en fait à travers votre époux, en fait, à savoir les femmes, les compagnons disaient, nous nous adressons à nos maris comme à un émir. Un émir, c'est un gouverneur, hein, pour information. Quand on voit comment certaines sœurs parlent de leur mari ou à leur mari, on se dit Allah Moustarine, c'est qu'elle parlerait pas comme ça même au maire ou au conseiller municipal ou même au concierge. Subhanallah, le mari il a un statut d'émir logiquement. Il a un très très grand haq, il a un très grand droit sur elle. Et elle se permet de phrases des fois très insolentes. L'insolence, mes frères, mes sœurs. Évitez l'insolence, l'arrogance, être hautaine. Soyez doux, soyez calme. Il y en a, voilà. Et puis, on ne vous demande pas la lune ou l'impossible, faites selon vos capacités. Essayez, après, c'est chacun feeling qu'il y a avec l'époux. Et puis, comment l'époux aussi se comporte avec vous, hein, c'est un rôle à jouer. Hein. Il doit aussi faire en sorte de mériter, entre guillemets, votre gentillesse. Mais même si c'est pas un époux qui mérite, faites-le pour Allah, mes sœurs. Ça, c'est un conseil aussi. Faites-le pour Allah. Il a pas été gentil. Il est comme si, il a tel défaut. Tu t'en fiches, ma sœur. Toi, tu œuvres dans le sentier d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire que tu es avec lui. Tant que c'est supportable, bien sûr. Tant que ça nécessite pas un divorce, parce qu'il est, il est complètement, il a dépassé les bornes, comme on dit. Non, on parle pas de dépasser les bornes. C'est-à-dire que tu l'aimes, tu veux rester avec lui, mais il te, voilà, quoi. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Patiente, ma sœur. Patiente sur ce qui est, sur ce qui peut faire l'objet d'une patience, bien sûr, pas au-delà, dans ce qui est convenable. Patiente, et puis endure, fais-le pour Allah. Ne cherche pas aussi, toi, l'époux parfait. Donc tu le fais, tu dis, bah, moi je continue à le servir, à lui donner son haq, à être gentil, etc., parce que moi je le fais même pas pour lui au final. Il n'est pas gentil, c'est pas grave. Il n'est pas aimable, c'est pas grave. Ça lui passera peut-être. C'est même pas une question que voilà, je lui pardonne, je le fais pour Allah, je cherche ma récompense. Ça, c'est la meilleure des mentalités. Après, je sais que c'est pas facile. Chacun fait comme il peut. Moi, c'est des exhortations que je vous donne. Peut-être que pour vous, elles n'auront aucun sens ou elles vous serviront pas. Mais j'estime que, voilà, on doit s'éduquer. Et de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu, je pense que ça peut faire du bien à entendre. Donc voilà, être ingrate envers le conjoint. Éviter ces choses-là. Aussi, je n'ai vu d'être manquant de raison et de religion et qui fait le plus perdre l'esprit d'un homme ferme que l'une d'entre vous. C'est pareil, on apprend donc que la femme manque de raison et manque de religion. Ça, c'est connu aussi. Dans sa raison, c'est, on va le voir à la fin du hadith, elles sont passionnées, hein, elles manquent de raison et on va voir pourquoi. Elles sont toujours passionnées, les femmes, dans leur raisonnement, etc. Des fois, tu te dis, subhanallah, ça ne veut pas dire qu'elles sont bêtes, hein, mais dans certains raisonnements, des fois, ça a tordu, quoi. C'est vraiment la passion qui part. Ah non, mais on va faire comme si c'est comme ça. Tu me dis, arrête-toi, qararararasoul et tout. Ah oui, d'accord, ok. C'est, elles partent un peu vite, les femmes, des fois, comme ça. C'est la passion. Elles sont passionnées, elles parlent beaucoup et elles ne savent pas toujours ce qu'elles disent. Et manque de religion, bah, c'est connu, hein, même la fille de Cheikh Moukbil, la fille de Cheikh Moukbil a dit, hein, que c'est peu de gens œuvrent pour l'au-delà, mais même parmi ces peu de gens-là, c'est souvent des hommes qui le font. Peu de femmes, parmi ces gens qui œuvrent pour l'au-delà, peu de femmes œuvrent vraiment pour l'au-delà. Généralement, les femmes, c'est make-up, hijabi style, fashion mode, mon intérieur, mon ceci, mon cela. Peu de femmes sont vraiment dans l'aim et dans les ibadat. C'est-à-dire que même si elle est dans son univers de femme, elle fait pour les hasanat, en fait.
C'est-à-dire que, ok, je suis dans mon foyer parce que je ne peux pas être que dans l'aïm, mais quand je m'occupe de mon enfant, c'est pour les hassanat. Je m'occupe de mon mari, c'est pour les hassanat. Vous comprenez? Elle n'est pas trop salon de thé, make-up, tout ça, elle s'en fiche. Si elle se maquille, c'est pour séduire le mari. Donc elle est dans une optique de hassanat. Vous voyez? Ça, c'est les sœurs qui ont tout compris. Ça, c'est les femmes, inshallah, du paradis. C'est-à-dire que c'est. Elle n'est pas dans la dunya. Malheureusement, la plupart des femmes, et même nos sœurs qui sont djellbeb et ce que vous voulez, sont dunya. Peu sont vraiment dans la quête de l'au-delà. Déjà dans la science, elles ont en général peu de science. Tu trouveras rarement une femme qui a le faire, c'est-à-dire la compréhension de la religion. C'est très rare. Je n'ai pas dit que c'est impossible, je dis que c'est rare. Elles sont généralement voilà, passionnées, avec peu de science. Ce n'est pas un dénigrement, c'est encore une fois un constat général. Et quand elle fait des choses, la plupart du temps, tu te demandes même pourquoi elle fait ça. Elles perdent leur temps, on connaît la télé, les ceci, les shopping. La femme, c'est la dounia par excellence. Donc si tu ne fais pas partie de ces femmes-là, ma sœur, dis alhamdoulilah. Si, bien sûr, tu aimes, même les hommes, hein, tu aimes certaines petites choses de la dounia, mais quand tu fais des choses, même dans ton foyer, qui ont rapport même avec les choses de la dounia, essaye de mettre ça dans un espoir de hasanat. Voilà. Tu te maquilles pour le mari, tu t'achètes des vêtements que tu aimes, jolis, tout ça, pour le mari. Tu aimes des fois même cuisiner, trucs comme ça, bah pour les enfants, pour ta mère ou pour ton mari, etc. Donc en fait, tu combines ton plaisir avec le tu joins l'utile à l'agréable, j'estime, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc ça, c'est les femmes qui ont tout compris, et non pas qui perdent leur religion avec la dounia pour rien. Quoi, en fait. Et quant à la phrase qui fait plus perdre l'esprit d'un homme ferme, il y aurait plusieurs sens qui ont été cités en cela. Faire perdre l'esprit d'un homme ferme en tant que quand c'est sa femme à l'homme, à savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, elle prend tellement la tête, elle fait chavirer, elle a des soucis, etc., que même un homme ferme sur sa religion, il peut régresser. Hein. Ou alors, elle lui accapare trop de temps. Il y a des hommes, subhanallah, ils vont plus à la mosquée. Il y a des hommes, subhanallah, ils étudient plus l'ilm. Il y a des hommes, subhanallah, c'est que leur femme. Donc, elle a accaparé l'homme, ce qui fitna la femme aussi par rapport à ça. Et puis aussi, même si c'est pas le propos peut-être du hadith ici, de manière globale, le sens est bon, le sens est correct, voilà pourquoi je me permets, une femme fait perdre l'esprit d'un homme ferme sur sa religion, on sait. Hein, des hommes, le siwok, le muscle, la chéchia, le qamis, le pantalon au-dessus de la cheville, enfin, tout, je peux. Voilà, il n'est pas à l'abri de tomber dans la fitna d'une femme. Voilà, c'est pas impossible. Peut-être moins que les autres. Il se retrouve moins facilement dans les bras d'une femme comme ça et dans la fornication, mais il faut pas tenter trop les choses. C'est-à-dire qu'un homme est faible. Même, je vous dis, le pieux, il a la science et tout. Il y a déjà eu des cas, des hommes ou des femmes qui sont tombés dans la fornication, qu'Allah nous préserve. Et ne serait-ce que par le regard. Nous, comme c'est très difficile de se contrôler le regard. Le sexe, c'est pas que c'est plus facile. C'est que pour en arriver jusque-là, il y a des prémices, comme on voit dans le cours du dimanche, c'est-à-dire la voie de la patience. Quand on parle de ça, c'est-à-dire dans ce cours, on explique les causes à faire pour se préserver du péché, pour avoir plus de patience. Vous vous souvenez, ceux qui sont assidus, Inch'Allah, et je vois que les noms sont toujours les mêmes, donc Inch'Allah, vous comprenez ce que je dis, bien, on parle de ces choses-là, des causes à faire pour ne pas tomber dans telle et telle erreur. D'accord ? On ne tombe pas dans un lit d'hôtel avec une femme comme ça inconnue, du jour au lendemain, quand on est un musulman accroché à son dîn. Je vois ça. Je vois ça comme quelque chose d'assez bizarre et d'assez impossible. Enfin, impossible, vous comprenez ? Mais le regard, par contre ça va très vite. Donc déjà, ce serait déjà une faiblesse, déjà. Hein, un peu. Et puis un mot, un attachement, un amour, une passion, et bien là, après, ça peut mener à un acte sexuel. Eh bien, c'est vrai qu'une femme, hein, il connaît le prophète, il disait, hein, je n'ai vu d'être manquant de région de religion et qui fait perdre l'esprit d'un homme ferme que l'une d'entre vous, qu'une femme, quoi. Pour faire tourner, chavirer le cœur et l'esprit d'un homme, ramène une femme. Tu veux détruire un homme, ramène une femme. L'argent aussi, ça corrompt le cœur des hommes. Mais alors une femme. Subhanallah. Il suffit qu'elle ait un peu de charme, qu'elle sait le mettre en valeur, qu'elle ait un charisme, elle peut te bousiller un homme. Une femme, ça a bousillé la fitna des femmes, c'est énorme. Ne soyez pas donc de ces femmes-là. Ne soyez pas des objets de fitna. Ne soyez pas objet de fitna, mes soeurs. Vous comprenez ? Ne soyez pas là-dedans. Préservez-vous. Préservez aussi les frères, et ibnillah. Ne soyez pas un objet de ça, car des fitnas, subhanallah, il y a des cerveaux retournés, comme j'ai mis dans un post aujourd'hui, des couples brisés, des gens fermés sur leur dîme, tombés dans le péché, des empires bousillés, des empires complètement brisés. Des sociétés, de tout ce que tu veux, pour une femme, on sait, des crimes commis pour. Subhanallah. Non, vraiment, la femme, c'est dangereux.
c'est dangereux et voilà. Allah Azza wa Jalla a voulu que ce soit comme ça dans la sagesse. On peut, voilà, tu regardes son corps, sa poitrine, ses hanches, ses yeux, son sourire, et ça peut complètement. L'homme, il est comme Mejnoun. Il est plus normal. Tu lui dis, Harry, tu lui mets des petites gifles comme ça. Frère, allô? Il la regarde, il est. Subhanallah. Vu comme ça, frère, sortez de la mosquée, je vous dis, la lahia jusque-là. Il y a une femme, pas une sœur, hein, femme d'aller dénuder, tout ça. Et le regard, il est accroché, comme si c'était aimanté. Je lui dis, Harry, oh, je suis là. Et ça, c'est très compliqué. Donc voilà. Voilà pourquoi aussi, parce que, attention, quand on dit les femmes, c'est un type de femme. C'est pas la sœur qui est en sitar. Les gants, l'ilm, son foyer, mais elle n'est pas visée ici. En quoi elle rentre dans, elle fait perdre le plus l'esprit d'un homme ferme. Elle tombe pas, elle fait pas le problème à l'homme, elle fait pas les machakim. Voilà pourquoi je vous dis, soyez ces femmes-là, mes sœurs. Non, on parle de celles qui tentent les hommes, qui amènent au mal. Donc si vous n'êtes pas de cette catégorie-là, walhamdulillah, vous faites une partie des meilleures créatures. Parle de celles qui sont dehors et qui font toutes ces choses-là. Je suis désolé, ma sœur, si t'es chez toi et quand tu sors, tu te voiles complètement, etc. Tu t'adresses pas la parole aux hommes, tu t'affiches pas sur Internet, tu parles pas aux hommes, etc. Je vois pas en quoi tu es une personne mauvaise. Au contraire, ta nature, qui peut-être que sous tout ça, tu as une nature très séduisante, etc. Bah justement, tu fais en sorte de ne pas la mettre au profit de Shaitan. Tu la mets pas au service de Shaitan, dans la santé de Shaitan. C'est très honorable et tout le. Non, toute la louange est à Allah, mais un certain mérite te revient. C'est marcher à Allah et tu seras récompensé pour cela. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Hein. Celles qui font chavirer les hommes, ce sont des mauvaises femmes. Non. Les femmes de répondre, en quoi réside notre manque de raison et de religion, ô envoyé d'Allah ? Et il dit, le témoignage de la femme n'équivaut-il pas à la moitié de celui d'un homme ? Si, reconnurent-elles. Ça, c'est connu dans l'islam. Un témoignage d'une femme. C'est la moitié de celui d'un homme. Il en faut deux. Il faut deux, hein, deux témoignages d'une femme pour avoir l'équivalent de celui d'un seul homme. Et il dit aussi cela fait partie de son manque de raison, le fait d'être comme ça. Et qu'elle peut se tromper, elle peut oublier, etc. Elle est plus passionnée que l'homme. Et lorsqu'elle a ses menstrues, dit-il, ne cesse-t-elle pas de prier et de jeûner ? Et elle reconnut, oui, c'est vrai. Mais il dit ça fait partie de son manque de religion. En l'occurrence. Dans l'année, il y a beaucoup de moments où la femme ne jeûne pas ou ne prie pas. Donc, ça c'est rapporté par Abu Khali, d'après Abu Saïd al-Khudri. Ça n'avait rien à voir du coup à tout ce que j'ai fait par rapport au cours. À la Kouli Hajj, je l'ai fait. Maintenant c'est fait. Donc, pour la création, pardon, la création du paradis de l'enfer, donc, par rapport à cela. En outre, il a été cité précédemment à propos de l'épreuve des supplices de la tombe que le messager d'Allah a dit « Lorsque l'un de vous meurt, sa place lui est exposée. » Sa place lui est exposée. Donc si sa place lui est exposée, comme on l'a vu, c'est bien que si c'est exposé, c'est que tu vois. Donc c'est que le paradis et l'enfer sont bien créés. Et il dit également « Priez, hein ?» Priez lorsqu'il fait frais, car la forte chaleur provient du souffle de l'enfer. Priez lorsqu'il fait frais, car la forte chaleur provient du souffle de l'enfer. Si le souffle de l'enfer a une répercussion sur notre dunya, cette terre, c'est bien qu'il existe. Mais idnillah. Le fameux hadith que je vous ai cité quelques mots tout à l'heure, l'enfer s'est plaint auprès de son seigneur, Azaoujel, en disant « Mon seigneur, une partie de moi en a consommé une autre. » Il lui accorda alors deux souffles pour... Hein, pour ne pas se consumer. Un en hiver et un autre en été. C'est la chaleur la plus forte et le froid le plus intense que vous sentez. Ce qu'on sent quand il fait très très froid, c'est ça vient de l'enfer. Et quand il fait très 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 chaud, notamment, comme on dit les Lama, vers les coups de midi, etc., en été, etc., ça fait partie de l'enfer aussi. Autre hadith, la fièvre provient du souffle de l'enfer, ce qu'on ressent comme fièvre. Rafraîchissez-la donc avec de l'eau. Naam. Et encore un aussi, lorsqu'Allah créa le paradis et l'enfer, il envoya Jibril au paradis et lui dit « Va le regarder ». Donc si, encore une preuve que le paradis est bien créé. Qui plus est, ils ont été exposés au prophète, hein, à son lieu de prière, le jour où le soleil s'est éclipsé, ainsi que lors du voyage nocturne. D'innombrables hadiths authentiques sont d'ailleurs relatifs à cela. Je pense que ce point-là, il est clair. Question 131. Quelle est la preuve qu'ils subsisteront sans jamais disparaître, à savoir qu'ils seront donc ce paradis et cet enfer-là pour l'éternité. Ils seront des créatures éternelles, tout comme ceux qui y demeureront.
Allah Azzawajal dit à propos du paradis en citant les croyants. Ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. On ne peut pas demeurer dans quelque chose qui n'est pas éternel. Donc si les gens après deviennent éternels, demeurent quelque part, c'est bien que... C'est bien que la chose, elle aussi, est éternelle. Autre verset. Et on ne les fera pas... On ne les en fera pas sortir. De même, ça dans le même sens. Autre verset, c'est là un don qui n'est jamais interrompu. Par rapport au paradis. Ce sera notre attribution inépuisable. De même, les pieux seront dans une demeure sûre. Quand on parle de demeure sûre, ça c'est dans le sens sur la longévité, l'éternité. C'est ça que ça signifie demeure sûre. Ici, c'est pas une demeure sûre, parce que tout est éphémère. Jusqu'à sa parole, Azzawajal, ils n'y goûteront pas à la mort, sauf leur mort première. Ils n'y goûteront pas à la mort, sauf leur mort première. Il y a une mort ici, après il n'y a plus de mort. Après la résurrection, il n'y a plus de mort. Qu'on soit dans le bien, car Allah nous facilite d'être dans le khair, donc au paradis, ou dans le mal, en enfer, car Allah nous préserve. Ou ayyadu billah. Eh bien, il n'y a plus de mort après. D'ailleurs, la mort sera amenée sous la forme d'un animal, je crois un bélier, Allahu a'lam, si mes souvenirs sont bons, et sera exécutée. Il n'y aura plus de mort. Ainsi, Allah informa de l'éternité du paradis et de l'éternité de la vie de ses habitants, qu'il ne cessera jamais pour eux et qu'ils n'en sortiront pas. De même, pour l'enfer, Allah Azzawajal dit « Autre que le chemin de l'enfer où ils demeureront éternellement ». Il dit aussi « Allah a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise pour qu'ils demeurent éternellement, sans trouver ni allié ni secoureur. Et quiconque désobéit à Allah et son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Mais ils ne pourront pas sortir du feu ». Autre verset aussi, dans le châtiment de l'enfer qui ne sera jamais interrompu pour eux où ils seront en désespoir. Autre verset, on ne les achèvera pas de sorte qu'ils meurent et on ne leur allégera rien de ces tourments. Voilà nos présents. Quiconque vient en criminel à son Seigneur aura certes l'enfer où il ne meurt, où il ne meurt ni ne vit. Parce que c'est pas une vie en enfer, mais tu meurs pas non plus. C'est quelque chose qu'on va pas essayer de concevoir et que j'espère qu'on ne pourra jamais concevoir. Voilà nos présents tous. À travers ces versets et leurs semblables, Allah Azzawajal nous informe donc que les gens de l'enfer, hein, qui en sont les habitants, sont ceux pour lesquels il est créé, et pour lesquels ils sont créés, et qu'ils y demeureront donc éternellement. Ainsi, il n'y a qu'ils en sortiront en disant « mais ils ne sortiront point du feu ». Il n'y a de même qu'il cessera pour eux en disant « qui ne sera jamais interrompu pour eux ». Il n'y a pas de fin. Il n'y a également qu'ils y seront anéantis en disant « et oui, le mécréant, ni ne mourra, ni ne vivra. Femme. Le prophète Hassan dit en outre, quant aux gens de l'enfer, qui sont ses habitants, ils n'y mourront, ni n'y vivront. Il confirme ce qu'Allah Azzawajal dit. Lorsque les gens du paradis iront au paradis et ceux de l'enfer en enfer, la mort sera amenée jusqu'à ce qu'elle soit entre le paradis et l'enfer, puis elle sera égorgée. Ce que je vous disais tout à l'heure, subhanallah. Un héros appellera alors, pas un héros H-E-R-O-S, un héros H-E-R-O-T. Un héros appellera alors, aux gens du paradis, point de mort, aux gens de l'enfer, point de mort. Ainsi les gens du paradis connaîtront plus de joie qu'ils n'en avaient jamais. Et les gens de l'enfer connaîtront plus de tristesse qu'ils n'en avaient déjà. C'est un hadith rapporté pour Al-Bukhari. Par rapport à ça, je crois que c'est sous la forme d'un bélier. La mort sera comme ça, ramenée égorgée, la forme d'un bélier. À vérifier, Allahu a'lam. Et selon d'autres termes, rapportés par Muslim, chacun demeurera éternellement là où il se trouve. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de preuves. Et dans une version, le messager d'Allah récita et avertit-les du jour du regret. Quand tout sera réglé, alors qu'ils sont dans ce monde inattentif et qu'ils ne croient pas. Et il y a à ce sujet donc des hadiths autres que ceux que nous avons cités. Il y en a vraiment beaucoup. Question 132. Quelle est la preuve que les croyants verront leur Seigneur dans la demeure dernière? Le fait d'avoir la vision d'Allah Azzawajal, de voir Allah, qui est la plus grande des jouissances. Mieux que le paradis, mieux que tout ce que tu peux demander au paradis, c'est le fait de voir Allah Azzawajal. Quels sont les adillah? Dans le Coran, sourate 75, verset 22-23, ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Le sourate 10, verset 26, à ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure récompense, et même davantage. Allah Azzawajal dit également au sujet des mécréants, en vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. D'accord?
D'ailleurs, parmi les Hizbiyoun, certains nient cela, ni la vision d'Allah, ni le fait qu'on verra Allah Azzawajal dans certaines sectes. Non. Ni la vision d'Allah Azzawajal. Si Allah Azzawajal empêche donc ses ennemis de le voir, il ne fera pas de même avec ses alliés, ce qui est logique. Dans les deux Sahih, donc d'Al-Bukhari ou Muslim, Jarih ibn Abdallah a dit: nous étions assis avec le messager d'Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pardon. Il regarda la lune à son 14e jour. À son 14e jour. Et il dit: certes, vous verrez votre Seigneur comme vous voyez celle-ci. On va expliquer cette phrase-là après. Certes, vous verrez votre Seigneur comme vous voyez celle-ci. Sa vision ne vous causera aucun préjudice. Alors, si vous pouvez ne pas être dominé pour accomplir une prière avant le lever du soleil ou une autre avant son coucher, faites-le. Qu'est-ce que tout cela, ça signifie ? Quand il dit « Certes, vous verrez votre Seigneur comme vous voyez celle-ci », c'est pas une comparaison entre Allah et la lune. Et certaines personnes, ils ont interprété ça comme ça. C'est pas une comparaison entre Allah Azzawajal et la lune. Et c'est pas ni dans la taille, ni dans la forme, ni dans la luminosité, ça n'a rien à voir. C'est le sens qu'ont expliqué les ulama, c'est-à-dire « Vous verrez votre Seigneur comme vous voyez celle-ci », sans se bousculer. Est-ce que moi, quand je regarde la lune, et toi, mon frère, ma soeur, tu ouvres la fenêtre, est-ce que tu regardes la lune toi aussi? Tu la vois pareil. Pourtant, peut-être qu'on habite à 200, 300 ou 400 km d'écart. Vous comprenez? Ou peut-être t'es mon voisin, mais peu importe. On ne se bouscule pas. Eh bien, ce jour-là, on verra les croyants, on verra Allah de la même manière, sans se bousculer. C'est ça que ça signifie. Vous verrez votre Seigneur comme vous voyez celle-ci, à savoir la lune. Hein, c'est dans ce sens-là. C'est qu'il n'aura pas besoin de se bousculer. Tout le monde pourra le voir de là où il est. Sa vision ne vous causera donc aucun préjudice, c'est ce que je dis. Alors, si vous pouvez ne pas être dominé pour accomplir une prière avant le lever du soleil et une autre avant son coucher, faites-le. C'est une enjoint aux bonnes œuvres afin d'être parmi ceux qui pourront voir Allah Azzawajal. Sa parole, comme vous voyez celle-ci, c'est ce que le dit Shir, qui signifie comme vous voyez la lune, est une comparaison des deux visions, non des deux choses vues, ce que je viens de vous dire. De même que le hadith relatif à la prononciation de la révélation par Allah qui dit « Les anges étendent leurs ailes par soumission à sa parole, qui est semblable à une chaîne sur un rocher lisse. » Hein? Ceci est en effet une comparaison des deux auditions et non pas des choses entendues. On ne dit pas que la parole d'Allah Azzawajal, c'est la même chose que le bruit d'une chaîne sur un rocher lisse. D'accord ? D'accord ? Le bruit de leurs ailes par soumission à sa parole, pardon, est semblable à une chaîne sur un rocher lisse. Ça ne veut pas dire que quand ils étendent leurs ailes par soumission à sa parole, c'est le même, les mêmes choses dans les sens. Hein? C'est une comparaison des deux auditions. Car Allah Azzawajal s'est élevé au point que rien parmi sa création ne lui ressemble, dans son essence ou dans ses attributs. On l'a déjà vu et revu. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est trop honorable pour que certaines de ses paroles ne soient interprétées dans le sens de l'assimilation. Tashbih. C'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va faire du tashbih. Certainement pas. Ne soient interprétées donc dans le sens de l'assimilation du créateur à sa création, alors qu'il est la créature qui connaît le mieux Allah. Ça n'aurait aucun sens. C'est bien pour ça qu'on dit que c'est dans l'appellation, dans un contexte ou juste dans le nom. S'il y a une ressemblance chez Al-Sunnati wal-Jamara, c'est que dans le nom. Ou bien, comme là, vous verrez Allah, comme vous voyez la lune là, c'est dans la manière de voir, la manière de se positionner, non pas dans la chose vue. Pour ceux qui lèvent les mains, ne levez pas les mains, allez directement donner vos questions à l'admin, Inch'Allah. Ça ne sert à rien de lever les mains. On retrouve aussi dans le hadith rapporté par Shuhayb que chez Muslim, que le prophète a dit « Puis le voile sera ôté, hein, et ils n'auront jamais reçu quelque chose qui leur soit plus aimé que de regarder leur Seigneur. » C'est exactement aussi ce que je vous ai dit avant. Il n'y aura pas plus jouissif que de regarder Allah Azzawajal. Il n'y a pas mieux. Tu peux imaginer plein de choses qui te plairaient d'avoir au paradis. Rien ne sera plus beau que de regarder Allah Azzawajal. Rien ne sera plus plaisant. Puis il, sallallahu alayhi wa sallam, récita « À ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure récompense et même davantage. » Et même davantage. Donc cette meilleure récompense qui est citée, c'est la vision d'Allah Azzawajal. Il existe de nombreux hadiths authentiques explicites à ce sujet. Nous en avons cité 45 rapportés par plus de 30 compagnons dans l'explication de Sulam al-Wusul. C'est le shirk qui dit ça. Par conséquent, quiconque réfute cela aura démenti le Coran et ce qu'Allah a envoyé à ses messagers et sera parmi ceux dont Allah Azzawajal a dit « En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. » Ceux qui demandent cela, ils disent « C'est pas vrai, ben tu le verras pas alors. » Tu dis que c'est pas vrai, tu dis que c'est mensonge, tu demandes le Coran, effectivement, tu le verras pas alors. Puisque c'est toi qui as dit que tu le verrais pas. Subhanallah.
Nous demandons à Allah de nous accorder le pardon et le salut, ainsi que de nous accorder le plaisir de regarder son visage. Question 133. Quelle est la preuve de la foi à l'intercession ? La shafa'a, l'intercession, la grande intercession. Quelle est la preuve de la foi à l'intercession et à qui elle sera accordée ? Qui en bénéficiera et quand aura-t-elle lieu ? Quand on dit à qui elle sera accordée, c'est à quel qui fera l'intercession, soit plus clair. Cette grande intercession à shafa'a, à qui elle sera accordée, qui la fera ? Qui va bénéficier de cette intercession ? Et quand elle aura lieu ? On en avait déjà parlé, je crois, dans les cours précédents. J'avais devancé, malheureusement. Mais... Enfin, malheureusement, peu importe. En tout cas, j'en ai déjà parlé. Allah Ta'ala a confirmé l'intercession dans plusieurs passages de son livre, liés à de lourdes restrictions. Il nous a informé de plus qu'elle lui appartient et que nul autre n'en possède quoi que ce soit. Hein ? L'intercession tout entière appartient à Allah. Ça, c'est le verset 44 de la sourate 39. On n'intercède qu'auprès d'Allah, on n'intercède pas auprès d'autres. Quant à son moment, Allah Azzajal nous a informé qu'elle n'aura lieu qu'avec sa permission. Comme il le dit, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission dans Ayat al-Kursi. Il dit aussi un autre passage du Coran, il n'y a d'intercesseur qu'après sa permission. Toujours c'est avec la permission d'Allah Azzajal si tu veux demander quelque chose, c'est par sa permission. C'est auprès d'Allah qu'on intercède. Et que des anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après Allah l'aura permise en faveur de qui il veut et agréé. Autre verset, l'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet. On reste dans le même sens. Donc. Quant à celui à qui elle sera accordée, de même qu'Allah nous a informé qu'elle n'aura lieu qu'après sa permission, il nous a informé qu'il ne donnera la permission qu'à ses alliés agréés, les meilleurs, comme il a dit, nul ne saura parler, sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. Et il dit aussi, ils ne disposeront d'aucune intercession, sauf celui qui aura pris un engagement avec le tout miséricordieux. Donc quant à celui qui en bénéficiera de cela, Allah Azzawajal nous a informé qu'il ne donnera la permission d'intercéder qu'en faveur de celui qui l'agrée, comme il dit, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qui l'agréent. Et ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné la permission et dont il l'agréa la parole. Ça aussi, c'est un problème. Et Allah Azzawajal n'accepte que les monothéistes et les sincères. Quant aux autres, il dit... Les injustes n'auront ni amis zélés, ni intercesseurs écoutés. Aucun recours, en fait. Aucun recours. Tu ne pourras pas demander à quelqu'un d'intercéder de quoi que ce soit pour toi. L'intercession, mais Abdullah encore. On l'a vu, il y a la grande, celle du prophète, il y a celle-là, il y a Allah en tout dernier, les anges, il y a le Coran qui peut intercéder pour toi, etc. Toutes les choses qui peuvent faire intercession, mais Abdullah, on appuie bien sur Abdullah, eh bien, eux, les injustes, ils n'auront rien du tout. Autre verset, et nous n'avons pas d'intercesseurs ni d'amis chaleureux. Donc c'est genre. Autre verset, ne leur profitera donc point l'intercession des intercesseurs. En outre, le prophète A.S.A.M. nous a informé que l'intercession lui a été accordée. Je vais expliquer. Puis il a informé qu'il viendra se prosterner sous le trône et louera son Seigneur par des louanges qu'il lui apprendra. C'est exactement ce que je vous avais dit dans un cours, pour ceux qui s'en souviennent. C'est exactement ce que je vous ai dit dans un cours, pour ceux qui se souviennent. À savoir, donc, que le prophète, aura la grande intercession pour sa Umma, et qu'il viendra se prosterner sous le trône, et il louera Allah Azzawajal par des louanges, des formules de dhikr qu'on ne connaît pas, ici, qu'on ne connaît pas, et qu'Allah Azzawajal lui apprendra à ce moment-là. Et il ne commencera d'emblée à intercéder qu'après qu'on lui dise « Lève la tête, dis, tu seras écouté. Demande, on t'accordera. Intercède, on acceptera ton intercession. » Ça fait partie d'un long hadith rapporté par Al-Bukhari ou Al-Muslim. Puis il a informé qu'il n'intercédera pas en faveur de tous les pécheurs parmi les monothéistes en une seule fois. Il a informé donc qu'il n'intercédera pas en faveur de tous les pécheurs parmi les monothéistes en une seule fois. Il a dit plutôt, Allah me limitera un nombre de gens par rapport à cette intercession. Après quoi, je les ferai, mais il n'est là entrer au paradis. Ensuite, il retournera pour se prosterner de la même manière.
début, il y a une partie, d'accord ? Première partie, première prostration. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, repart. Il retournera pour se prosterner de la même manière et Allah lui limitera un nombre de gens encore jusqu'à la fin du hadith relatif à l'intercession. Et un compagnon demanda au prophète qui ton intercession rendra-t-elle le plus heureux ? Et il lui répondit, celui qui dit La ilaha illallah sincèrement de son cœur. Sincèrement de son cœur. C'est lui donc qui bénéficiera le plus de l'intercession et donc rendra le plus heureux forcément puisqu'elle le touchera. Voilà. Question 134. Combien sont les sortes d'intercession ? D'accord ? Et quelle en est la plus importante ? On va voir ce point. La plus importante d'entre elles est l'intercession la plus sublime. L'intercession la plus sublime. Lorsqu'on se tiendra debout au moment de la résurrection. Pour qu'Allah vienne trancher entre ses serviteurs. Donc c'est le fait qu'Allah tranche. Hein, c'est Allah Azul directement qui fait, qui vient trancher entre ses serviteurs. Ça c'est l'intercession la plus sublime. Elle est propre à notre prophète Mohammed. C'est la grande intercession que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, il demandera l'intercession à Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et la position de gloire qu'Allah lui a promise. C'est que lui qui peut faire ça, subhanallah. La ilaha illallah. Il n'y a que lui qui aura cette position. Cette position de pouvoir intercéder, vous imaginez, pour des millions de gens parmi l'humanité. Conformément à la parole d'Allah, le verset 79 de la sourate 17, « Afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. » Ce verset-là vise le moment où il intercédera. En effet, lorsque les gens seront dans une situation difficile, qui durera longtemps, et que leur angoisse s'intensifiera, et la sueur les bridera, ils solliciteront l'intercession pour qu'Allah tranche entre eux. Ils demanderont, Ya Allah, amène le jugement. Amène le jugement, il faut trancher, on n'en peut plus. C'est trop dur. Donc ils solliciteront l'intercession hein, pour qu'Allah tranche entre eux. Mais ils ne peuvent pas directement comme ça s'adresser à Allah. Alors ils iront chez Adam, السلام, puis Nour, السلام, puis Ibrahim, السلام, puis Moussa, ثم Isa, fils de Maryam. السلام. Mais ceux-ci diront tous, Nefsi, Nefsi, ma personne d'abord, ma personne d'abord. Hein? Adam dira j'ai péché, Nour dira ceci, Ibrahim dira cela, Moussa dira aussi moi j'ai frappé quelqu'un, j'ai tué quelqu'un, et Aïssa dira ils m'ont adoré en dehors d'Allah, etc. Ils auront tous peur pour leur propre personne. Jusqu'à ce qu'elle se finisse chez notre prophète Mohammed, qui dira je suis désigné pour elle. Il acceptera cette intercession, il dira oui, moi, Maram, je suis désigné pour elle. Comme il fut relaté en détail dans les deux Sahir et autres. La deuxième, on a vu la première, la grande. La deuxième, c'est l'intercession pour ouvrir la porte du paradis. Pour ouvrir la porte du paradis. Le premier qui l'ouvrira sera notre prophète Mohammed, et la première des communautés qui entrera sera la sienne. Donc le premier qui pousse la porte du paradis, c'est le prophète, et les premiers qui rentrent après, c'est les musulmans. Bien sûr, parmi les musulmans, les meilleurs d'abord, etc., etc. Mais, en tout cas, les premiers à rentrer, c'est sa communauté. La troisième, l'intercession au sujet des gens condamnés à l'enfer, pour qu'ils n'y entrent pas. L'intercession du type, donc intercéder pour la communauté, la grande intercession, puis l'entrée au paradis, puis pour que les gens condamnés à l'enfer n'y rentrent pas, soient sauvés finalement, repêchés, soient graciés. La quatrième, c'est celle destinée à ceux parmi les gens du monothéisme, donc les gens du tawhid, qui seront entrés en enfer afin qu'ils en sortent. Il y a des monothéistes qui ont fait beaucoup de péchés, et comme on l'a vu dans le cours Kitabu Tawhid, il y a deux types de monothéistes. Il y a celui qu'Allah, il y a celui qui ne fait pas les grands péchés, qui meurt sur cela, et donc Allah lui accorde le paradis sans jugement, sans châtiment, logique. Alhamdulillah, bi'idhnillah. Il y a celui qui a les péchés sur le dos, mais soit Allah lui pardonne par miséricorde, soit Allah le châtie. Ben, il y en a, voilà, ils rentrent dans le cas qu'ils seront brûlés en enfer parce qu'ils sont châtiés. Qu'Allah nous préserve. Et donc, il y aurait une intercession destinée à ces gens-là, afin qu'ils sortent. Ils en sortiront d'ailleurs, alors qu'ils auront été brûlés, seront devenus tels du charbon. Calciné. Ensuite, ils seront jetés dans la rivière de la vie et repousseront comme une graine dans le lit du torrent, c'est-à-dire où il n'y a point de végétation. Ils repousseront et seront donc, on va dire, tout neufs. Donc, revivifiés. Voilà. La cinquième intercession, c'est l'intercession pour élever en grade certains parmi les habitants du paradis. Non content juste d'être au paradis, après il y a l'élévation des grades, et des statuts, et des degrés. Donc il y a une intercession aussi pour élever en grade certains parmi les habitants du paradis. Et ces trois dernières intercessions ne sont pas spécifiques à notre prophète, mais il en aura la priorité. C'est lui en priorité qui pourra faire l'intercession par rapport à ces gens-là. Mais elles ne sont pas spécifiques à lui. Puis après, donc on a vu, il y a plein de choses. Hein. Lui, il est la priorité, il est prioritaire. Mais après viendront les prophètes, les anges, les saints, les devanciers,
tous intercéderont. Même le Coran peut intercéder pour toi, etc. Enfin, Allah Azzawajal, par sa miséricorde, c'est la dernière des intercessions, la plus grande, parce qu'elle vient d'Allah, na'am, et la dernière des intercessions, par sa miséricorde, il fera sortir de l'enfer des gens dont seul Allah connaît le nombre. Sans intercession, enfin, quand je dis la dernière, c'est Allah lui-même, donc c'est pas vraiment l'intercession, mais c'est comme c'est cité dans le chapitre des intercessions, mais ça n'est pas vraiment une, puisque ça vient d'Allah, na'am. Donc après le prophète, après Naam, après les prophètes, après les anges, après les saints, après tout ça, après tout ce que, après les pieux, après tout, tous les gens qui auront pu faire, demander auprès d'Allah quelque chose, une intercession, Allah directement lui le fera, par lui-même. Et il fera sortir de l'enfer les gens, donc seul Allah connaît le nombre, sans intercession, puis ils entreront au paradis. Et la sixième intercession, c'est pour l'allègement du châtiment de certains mécréants. Il y a une intercession aussi pour ceux qui vont demeurer éternellement en enfer parmi les mécréants. Pour eux, pas de secours. Mais il y a l'intercession pour l'allègement du châtiment de certains mécréants qui auront quand même fait du bien. Celle-ci est donc spécifique à notre prophète, aïssa al salam, en faveur donc de son oncle, Abu Talib, comme il a été rapporté dans le Sahih de Muslim et d'autres. Il aura donc le plus petit châtiment en enfer. Et le plus petit châtiment, c'est quand même un feu qui fait bouillir ses pieds, enfin qui brûle au niveau de ses pieds, mais qui arrive à faire brûler son cerveau, qui fait bouillir son cerveau. Subhanallah. Ça, c'est juste le plus petit châtiment en enfer. De plus, on ne cessera de jeter des gens en enfer, qui dira. Y a-t-il un surplus ? L'enfer dira. Hein. Y a-t-il un surplus ? Jusqu'à ce que le Seigneur de la puissance y mette son pied. Là, on apprend qu'Allah a un pied. Comment est le pied d'Allah ? Certainement pas comme le mien. Allahu a'lam comment est le pied d'Allah. C'est comme ça la croyance des gens de la Sunna. Si on te dit Allah, il a un pied, Allah, il a un pied. Allah, il a une main, Allah, il a une main. Ça fait partie de ses attributs. Comment est la main et comment est le pied d'Allah ? Allahu a'lam. D'accord ? On l'a déjà vu, ça, c'est clair. Donc, on cessera de jeter des gens dans le feu et il dira, est-ce qu'il y en a encore ? Jusqu'à ce qu'Allah Azzawajal, il mette son pied dans l'enfer. L'enfer, alors, il se contractera sur lui-même et dira, cela suffit, par ta puissance. Au paradis, il restera de la place vacante, après ceux qui y sont entrés, et Allah créera des gens et les fera entrer au paradis. On apprend un détail, une faïda très importante, on cessera de jeter des gens dans l'enfer, déjà, et l'enfer, il demandera un surplus, mais après, il dira, ça suffit, quand Allah, directement, il mettra son pied. Non. Il mettra son pied. Et l'enfer donc se contractera sur lui-même et dira stop, c'est fini par ta puissance. Et au paradis, on apprend qu'il reste de la place. On apprend qu'il reste de la place. Après que tout le monde qui devait rentrer y est rentré, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tout le monde est rentré en enfer, ils n'y sortiront plus. Tout le monde est sorti de l'enfer ou directement rentré au paradis et c'est fini, il n'y en a plus. Et alors Allah Azzawajal, comme il reste de la place, il créera des gens directement. Subhanallah, ça je ne savais pas. Créera des gens et il les fera entrer au paradis. Masha'Allah. Ça vient d'un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Anas ibn Malik. Masha'Allah. Et il y a d'innombrables textes qui attestent de cela. Celui qui les veut les trouvera dans le Coran et la Sunna. Inch'Allah, on fait encore une question, la 135, et après on passe, Inch'Allah, aux questions-réponses. Donc, question 135. Quelqu'un entre-t-il au paradis ou est-il sauvé de l'enfer ? Ce qui revient à la même chose, si tu entres au paradis, c'est que tu es sauvé de l'enfer. Donc en gros, quelqu'un est-il un bien-aimé d'Allah grâce à ses œuvres ? C'est une question. Le messager d'Allah, il a dit « Œuvrez modérément et juste, et sachez que nul d'entre vous ne sera sauvé grâce à son œuvre. » Les compagnons lui dirent « Ô messager d'Allah, même pas toi ?» Il leur répondit « Même pas moi. Sauf si Allah me couvre d'une miséricorde de sa part et d'une grâce. » Donc on apprend que même le meilleur des hommes, que dire ensuite des prophètes et même des pieux, ne rentrent pas au paradis par leurs œuvres. Voilà pourquoi on ne doit jamais être ébloui par ce qu'on fait. Le peu qu'on fait, déjà, nous. Le peu qu'on fait, on fait beaucoup plus de mal que de bien, de manière générale, mais le peu qu'on fait de bien, eh bien, il y en a, ils sont très émerveillés parce que c'est quelque chose d'énorme. Non, c'est très peu. Parce que tu n'achèteras pas le paradis, même avec les œuvres du prophète, c'est par la miséricorde d'Allah. D'accord ? Donc tu peux pas dire « Ouais, je vais œuvrer pour gagner le paradis. » Non, tu vas œuvrer. Écoute bien la phrase, la différence. Ne dis pas « J'œuvre pour gagner le paradis. » J'œuvre pour gagner la miséricorde d'Allah et il me fera rentrer au paradis. Vous voyez la nuance ? On cherche à avoir le pardon et la miséricorde d'Allah. En essayant d'acquérir le pardon et la miséricorde d'Allah, voilà, qu'Allah est ravi de nous, qu'Allah nous fasse une miséricorde et nous gracie, par exemple, nous pardonne. Non. Si on arrive à avoir le pardon d'Allah, on peut espérer le paradis.
Mais on ne peut pas comme ça accéder directement au paradis tout seul. D'accord ? Selon une version, le prophète Hassan a dit « Œuvrez modérément et juste et justement, et réjouissez-vous, car l'œuvre de la personne ne le fera entrer au paradis. » Car l'œuvre de personne ne le fera entrer au paradis. C'est-à-dire que tu œuvres justement, modérément. Hein. Ça, c'est une réfutation à ceux qui œuvrent dans l'excès, notamment par rapport au takfiri, khawarij, hein, qu'on connaît, ou même les chrétiens, ils n'ont rien à voir avec l'islam, mais les exagérateurs. Les takfiri, ils sont blancs, ils sont jaunes tellement ils jeûnent. Ils prient toutes les nuits, ils sont complètement... Ils exagèrent dans l'adoration. On ne leur a jamais demandé de faire ça. Donc là, nous, on œuvre modérément, dans le juste milieu. Hein, et on se réjouit. Car finalement, c'est pas... te dis pas que c'est j'en ai fait peu, j'en ai fait beaucoup. Faut faire un maximum d'œuvres, c'est vrai. Mais tant que t'en fasses énormément beaucoup, que tu sois juste dans la modération, etc., rassure-toi, il le dit, réjouissez-vous. Car c'est pas l'œuvre qui fait rentrer au paradis. C'est quand tu as obtenu l'agrément, la miséricorde et le pardon d'Allah Ta'ala. Donc c'est ça. Les compagnons dirent, donc même pas toi, messager d'Allah, et dans cette version-là, il dit même pas moi, sauf si Allah me couvre d'une miséricorde de sa part. Et sachez que l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah est la plus durable, aussi peu soit-elle. Aussi peu soit-elle. Fin du livre pour aujourd'hui. On reprendra, Inch'Allah, la question 136. Et donc, la dernière faïda, c'est ça. Hein. C'est l'œuvre la plus aimée d'Allah. C'est pas nécessairement ce qu'on va voir comme la plus grande. Hein. Par exemple, une personne va donner 5 € d'aumône toutes les semaines, je sais pas, au Jumu'ah, toute sa vie. Ça, c'est une œuvre très aimée d'Allah. Elle va s'attacher à la prière El-Witr. Le Witr. Ne serait-ce qu'une unité. Avant d'aller dormir, toujours elle fait le Witr. Toute sa vie, elle a fait le Witr. Tout le temps, elle n'a jamais délaissé. Ou les deux unités du Fajr. Elle les a jamais délaissés. Ou elle s'est attachée carrément, mashallah, au rawatib. Toute sa vie, elle a jamais délaissé. Ben, elle a fait comme ça des œuvres et les œuvres et les œuvres en s'y attachant. Mieux que quoi? Mieux que, elle a fait beaucoup qiyam al-layl pendant 2 mois. Mashallah, elle priait 6 raka toutes les nuits. Puis elle a tout arrêté. Ça, c'est négatif. Autre chose. Elle a donné, bon après, si c'est en fonction des rentrées d'argent qui ne sont plus disponibles, c'est autre chose. Mais une personne, admettons, qui garde un salaire toute une vie. Un même salaire environ, elle a toujours de l'argent. Et elle donnait pas mal. Et puis à un moment donné, elle a commencé à sombrer dans l'avarice et elle donne plus. Non. Elle a donné beaucoup au début, elle a donné, je sais pas, des 100 € toutes les semaines. Puis après, maintenant, tout juste, elle sort 1 € tous les 6 mois. Ça, c'est pas correct. Donc, on répète, que ce soit clair, personne ne rentre au paradis par ses œuvres. Et on œuvre modérément et justement. Et on cherche la miséricorde d'Allah pour cela. Mais la meilleure des œuvres auprès d'Allah, hein, la plus aimée, ce qui peut me faire justement bénéficier de cela, de sa miséricorde, c'est en œuvrant dans la continuité, en étant constant sur l'œuvre. Aussi minime soit-elle. D'accord ? Mieux une personne qui fait El-Witr avec une seule unité, c'est valide, d'accord ? Juste avant d'aller se coucher, elle fait El-Witr, une unité. Khlas. C'est pas beaucoup, vous allez me dire. Sauf qu'elle l'a fait pendant 30 ans, mais. Mieux qu'une personne qui a fait Rawatib pendant 2 ans. Eh oui. Va dire, mais non, elle a pris. Non, c'est pas comme ça qu'on comprend la religion. L'autre, c'est attaché vraiment assidûment. Et l'assiduité est aimée dans le nord. Faire beaucoup un temps puis stopper, ça, c'est pas bon. Il faut faire durer les choses. Il y a même des ulama, c'est pas un consensus, qui disent que quand tu t'attaches à une œuvre surrogatoire, elle devient wajib pour toi derrière. Elle devient wajib pour toi. Non, c'est certains avis, hein, c'est pas. C'est juste des avis des ulama, je vous dis comme ça. Il y en a qui disent parmi les grands savants, que quand tu t'attaches à une œuvre surrogatoire, après, elle devient wajib pour toi. Tu dois la finir, khlas. Wajib, elle devient comme une salade obligatoire, tu ne peux pas la délaisser. C'est leur avis, en tout cas. Voilà. Wallahu a'lamu ahkam. On passe directement aux questions-réponses. Je vais boire directement là, je ne vais pas couper. Alors. J'ai vu qu'il y a deux gens, quand je faisais quoi, il y a deux gens qui arrêtaient pas de lever des mains, des trucs, je sais pas quoi. Shaqiq et Wonderboy, ils ont été bounced from the room. Bounced from the room. Ça, c'est genre expulsé de la room, c'est ça? Je pense que c'est des gens qui cherchaient les problèmes. Tu fais un cours sur le paradis et l'enfer, et eux, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est venir casser les pieds aux gens. Ça, c'est des gens qui ont tout compris. Mashallah. Tu leur dis le feu de l'enfer, ceci, le paradis, cela, ils sont là, ils viennent casser la tête aux gens. Ça, c'est des gens qui sont... Ça se trouve, c'est pas des musulmans. Bon, Harlem, il y a tout sur Paltalk. Mais si c'est des musulmans, c'est vraiment des gens. Qu'Allah les guide et qu'Allah leur pardonne. Il faut vraiment rien avoir à faire à 22h30. Bon, c'est un. Est-ce que l'admin est revenu hein? Parce que j'ai vu que c'était déconnecté. Puis là. Si, revenu.
L'admin est revenu, non. C'est bon. Bon, j'ai déjà quelques petites questions, et si tu continues à récupérer, je continue. Alors, question de Yanis. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. J'ai une question par rapport à l'ascension. Le prophète, alayhi salat wa salam, a vu des gens au paradis ou en enfer, sachant que le jour du jugement dernier n'est pas passé. A-t-il vu le futur, ou alors il y a des gens actuellement au paradis ou en enfer? Qu'Allah préserve. Amin. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sincèrement. Je peux pas te dire sur ce point-là. Sincèrement, je ne connais pas la réponse. Je vais pas dire, ouais, à mon avis, que je pense que c'est quelque chose de très, très intéressant, que je vais demander, de ce pas. Et n'a rien. Attends, bouge pas. Je vais me faire devant toi. Je sens qu'il faut le dérapage à ce point-là. J'ai pas simplement entendu. Je prends mon WhatsApp et je demande à mon chien. Vous voyez, je sais pas, je dis Allah Arlem. Hein, donc la question est claire. Est-ce qu'on sait dans le futur, est-ce qu'il y a actuellement des gens au paradis ou en enfer? Très bonne question. Donc je le fais pour toi, Yannis, tu vois. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. J'espère que tu vas bien. Inch'Allah, bi'idnillah, alhamdulillah. J'ai une question qu'un frère m'a posée et je n'ai su lui répondre que Allahu Arlem. Concernant les gens que le prophète alayhi wassalam a vus au paradis ou en enfer. Il parlait de certaines des femmes ou des gens du paradis qui avaient telles caractéristiques. Non. Sachant que Yom Kiyama, il n'est pas encore arrivé. Est-ce qu'alors, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu le futur, Allah Azzawajal, en fait, lui a permis, parce qu'on sait qu'il ne voit pas le rêve et le futur, mais il lui a permis de voir une chose, telle une vision, si on peut dire, ou alors est-ce qu'il y a des gens actuellement, carrément, au paradis ou en enfer, sachant que Yom Kiyama n'est pas passé? Là, j'ai pas su répondre. Barakallahu fik, wassalamu alaikum wa rahmatullah. Voilà Yanis, donc quand j'aurai la réponse, je te transmettrai, frère. C'est comme ça qu'on fait quand on connaît pas, c'est tout. Pertinente ta question, frère, mashallah. Salam alaikum, Abu Salman al-Firansi, wa alaikum salam wa rahmatullah. Dans un hadith sahih, il est dit que lorsque Shaitan entend la veine, il fuit en lâchant des gaz. Est-ce le sens premier que l'on doit prendre? Naam. C'est de tous les cas. Il y a des cas où il y a du ta'wil, donc de l'interprétation. Je répète une énième fois que le ta'wil, l'interprétation est interdite pour les attributs d'Allah Azzawajal. Pour certains versets ou un hadith, la règle, écoutez celle-là, vous pouvez le noter, la règle dans donc le ta'wil, c'est l'interprétation. C'est interdit donc pour les attributs d'Allah. Mais pour le Coran ou les hadiths, la règle première est que c'est le sens premier, la base. Et que pour dire que l'on prend dans un sens second, qu'on fait donc du ta'wil, de l'interprétation, non, c'est pas ce sens-là, mais ça veut plutôt dire que ça, c'est pas le sens littéral, alors, il faut ramener des preuves. Il faut ramener des preuves qui confortent en cela. Tu peux pas interpréter un verset, même pas, quand je dis tu, c'est un savant, hein, ça c'est dans les règles, ou sous la fête. Tu ne peux pas, il t'est interdit d'interpréter le sens d'un hadith autre que le sens premier, ou un verset, il t'est interdit, même si t'es un grand alim, interdit si t'as pas le preuve, si t'as pas le dalil. Ça, c'est une règle. Donc, je ne connais rien qui vient étayer la thèse que ce n'est pas Shaitan vraiment qui lâche des gaz en fuyant, hein, et que c'est à prendre à un autre sens. Il n'y a pas, je ne connais rien, donc on le prend au sens premier. Wallahu a'lam. Wa fika barakallahu akhi. Le frère Kamel me dit, dis-moi, je voudrais savoir ce que le frère pense des Haddadi. Déjà, je marque un point, ce que je pense des Haddadi. C'est déjà ce que je pense des Haddadi. J'ai fait des audios sur eux. On les égarés, c'est des sectaires, etc. Qui viennent masquer en salafi. Comment les démasquer? Mais c'est le propre des Haddadi, mon cher frère Kamel. Un Haddadi, il va pas venir en disant bonjour, je suis un Haddadi. Même un Takfiri, il va pas dire bonjour, je suis un Takfiri. Quoique les Takfiri sont plus visibles. Et on les grille plus facilement. Pourquoi? Ils sont là avec leurs tarots, les mécréants, les koufars, les savants du palais, Daesh, c'est machallah. Donc tu les repères de loin. Les soufis, tu les vois avec leurs décrets. Les herbèches, tu les vois avec leurs bêtises, etc. Hein. Les haddadi, ils sont plus difficiles, Yarni. C'est vraiment... comment dirais-je? C'est les ennemis. Je vais essayer de bien... Je l'avais déjà dit dans un audio sur les sectes. Et je pèse mes mots pour pas qu'on... Comme disent, il a osé dire ça, mais c'est la secte la plus dangereuse là actuellement. Pourquoi?
Les Ikhwan sont très dangereux, sont très nocifs. Et Ahbash aussi. Les Ahbash ont peut-être même plus d'égarement. Ils sont plus égarés que les Haddadi. Mais au niveau du danger, ce qui menace les rangs de la Salafia, c'est les Haddadi le problème. Si moi, je suis dans une ville, notamment chez moi, vers Rouen, etc., il y a des Haddadi. Le problème est d'éradiquer les Haddadi. Pas nécessairement, dans un premier temps, les Ikhwani. On les repère, les Ikhwani, ils ne nous causent aucun tort, bi-idhnillah. On se démarque bien d'eux. Par contre, les Haddadi infiltrent nos rangs, car, cher Kamel, le propre des Haddadi, c'est justement de venir masquer un salafi. C'est leur fond de commerce, si on peut dire. C'est leur base. C'est leur manhaj, c'est ça ? C'est de venir masquer un salafi. Les Ahbash, ils ne viennent pas masquer un salafi. Même les Ikhwani, ils ne viennent pas masquer un salafi. Du coup, on les repère, on les réfute. Alhamdulillah. Que je te dis, des fois, tu peux discuter avec des frères. Moi, j'ai vu, alhamdoulilah, Allah, des fois, il m'a accordé des choses. Allah, j'en demandais pas tant. J'ai découvert des choses, Allah me fait tomber sur des choses. Je grille que c'est un haddadi. Il y a des frères, je parle avec eux, ils ne pensaient même pas. T'es sérieux et tout, subhanallah. Je dis, regarde, il dit ça, regarde, il fait ça, regarde ceci, regarde. Ah ouais, subhanallah. Il y a des frères, dans des conversations sur internet, il y en a, ils étaient comme ça, ou même en réel. Tu vois en fait que les salafis discutent tranquillement, papotent avec des haddadi. C'est classique. Là, on le voit souvent parce qu'ils viennent vraiment masquer, Ernie, et ils viennent infiltrer. Ils viennent infiltrer. Alors ça, c'est vraiment leur caractéristique. Et donc, voilà. Donc c'est eux, pour moi, le poison numéro un. Est-ce qu'il faut éduquer les gens là-dessus, les repérer, les réfuter. Pour moi, c'est les plus dangereux, c'est les plus nuisibles là par rapport à ça. J'ai pas dit que c'est les plus égarés. Les Haddadi sont moins égarés que les Ahbash, par exemple. C'est clair par rapport à la croyance. Oui, c'est vrai. Mais c'est les plus, vous comprenez, c'est le plus misérable comme ça à mes yeux, parce que c'est ceux qui attaquent le plus la salafia. Les Ahbesh font moins, ils sont dans leur égarement profond, mais moins de dégâts par rapport au rang de la salafia. J'espère que c'est bien clair dans la notion. Et donc, le frère dit que je suspecte un frère de Haddadi. Il faut faire attention. Après, tu me dis oui, mais comment repérer les Haddadi ? Donc, il y a plusieurs questions. Il faut faire attention déjà, je vais répondre au fait de suspecter un frère. C'est bien de suspecter, enfin, c'est bien. C'est pas que c'est bien, c'est pas ce que je voulais dire. Il faut avoir des éléments. Tu peux pas. Tu peux pas comme ça suspecter dans le vide. Il faut des éléments. Donc ce que je vais faire, comme tu dis, comment repérer les Haddadi, c'est que je vais te donner là des audios tout de suite, des audios que j'ai fait autour de cette secte-là, avec leurs caractéristiques les plus courantes, pour que tu t'étudies un peu qui ils sont, comment ils se comportent, qu'est-ce qu'ils disent. C'est quoi leur sifat pour que tu apprennes vraiment? Tu peux pas accuser un frère de ta haddadi juste comme ça parce que peut-être il a dit un truc qui t'a déplu. Enfin, ça, ce serait de l'injustice. C'est quoi le lien? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs que je voulais montrer. Notamment deux que j'ai en tête. C'est lequel celui-là? Les haddadi Yahya. Ouais, il y en a un autre. Les caractéristiques, tu peux le copier. Il est un petit peu plus bas. Il dure moins longtemps. Les caractéristiques de la Haddadiyya, hein, les caractéristiques de la secte Haddadiyya. Ouais, tu peux le mettre aussi. C'est un audio avec un carré blanc, mais avec une écriture. Tu t'en rappelles ? Non. C'est une petite image blanche avec des écritures. C'est un audio aussi, voilà. Donc, les deux liens pour le frère. Où j'ai parlé d'eux, voilà, pour que tu apprennes un petit peu à voir comment ils se comportent. Peut-être que ça peut être la puce à l'oreille, quoi. Et puis, à partir de là même, après, tu continues ton enquête. Et quand c'est clair, non. Tu pourras voir les faits et lui exposer les choses, mais accuser comme ça les gens injustement, non, ça c'est pas quoi. Faut quand même attention aujourd'hui, il y a beaucoup d'accusations comme ça, lui il est comme ci, lui il est comme ça, faut quand même faut des preuves, pour voir si c'est pas juste quelque chose qui t'aurait. Des fois il y a des frères, ils se disputent pour des choses, hein, ils se disputent, c'est des trucs de nefs, ou des désaccords de faire, oh Haddadi, ouais machin, subhanallah, là ça va trop loin, faut voir des fois, il y a des faits en fait, il y a des choses qui tendent vers la Haddadiyya. J'explique ça dans les audios, donc voilà, Kamel, qu'Allah te préserve sur la Salafia. Fais attention, en tout cas, dans le doute, à toi de ces gens-là. Et comment les repérer, les audios, Inch'Allah, vont t'y aider. Et puis voilà ce que je pourrais te dire à ce sujet. Qu'Allah nous préserve de ces gens-là. C'est vraiment des poisons qui ont infiltré les rangs des Salafis. Salam alaikum, le hadith qu'on a lu mentionne que la femme a des manquements dans leur religion et le raisonnement. Est-ce donc une preuve pour dire que la femme a des manquements dans toutes ces choses, car beaucoup de femmes n'aiment pas qu'on leur dise qu'elles ont des manquements et se mettent en colère et pensent que c'est un dénigrement? Bah oui. Bien sûr que c'est une preuve pour dire que la femme a des manquements dans toutes choses. C'est un hadith du prophète, Aïssatou Salam. Donc si moi, ma parole, Qasim, quand je dis à ma femme qu'elle a des manquements et qu'elle n'est pas douée de raison sur tout, elle ne l'accepte pas, c'est tout à fait normal, puisque c'est moi. Mais quand c'est le prophète qui parle, Aïssatou Salam, qu'est-ce que tu veux rajouter?
Après, déjà mécréante, s'il a dit non, celui-là, il ment. Ah bah oui. Enfin, c'est devenu mécréante. Donc, en général, les sœurs, elles se taisent quand elles lisent le hadith. Elles se taisent. En tout cas, les sœurs qui craignent Allah, quand même, qui n'ont pas perdu la raison, elles se taisent. Elles disent non, mais c'est vrai. Elles ont ça. Il faut, oh, faut, à un moment donné, il faut autant l'admettre que nous, dans notre saine nature, on est attiré par les femmes. Et que c'est comme ça, et qu'on est beaucoup plus attiré par les femmes que les femmes ne sont attirées par les hommes. Alors, si les femmes vont nous coller cette étiquette sur le dos, ce qui est une étiquette qui est réelle, dans notre fitra, ben elles, dans leur saine nature aussi, il y a ça. Dans la nature, en tout cas. Dans la nature, il y a ça. Elles ont des manquements, elles sont passionnées, elles ont des manquements dans le raisonnement, dans la religion. Si elles veulent pas l'accepter, ben écoute, la sœur, on attendra qu'elle se réforme. Une sœur réformée, je trouve pas le deuxième. Je vais le chercher. Une sœur qui est humble, qui a du haïm, etc., elle a passé le stade de l'ego par rapport à ça. Allah l'anime, elle a passé ce stade-là. Elle a passé ce stade-là. Elle est plus dans la justice, elle est plus dans le féminisme. Elle dit oui, c'est vrai qu'Allah nous réforme, mais elle avance. C'est une sœur qui a de la jugeote. La sœur qui essaie toujours de négocier, à dire, c'est une sœur qui est, je vais pas dire malhonnête, mais elle est passionnée. Elle est passionnée. Là, bah, encore une démonstration qu'elle est passionnée. Je me rappelle un jour un frère, il avait posté une parole de, je sais plus, c'était Anas ibn Malik, en tout cas un parmi les anciens, les pieux anciens. Là, il dit comme ça, les femmes, qu'est-ce qu'il avait dit? Les femmes, ceci, cela, elles ne savent pas se taire, un truc comme ça. Et ben, il y a une sœur qui est venue mettre un commentaire pour réfuter la parole, en disant, oui, nanana, c'est quoi ces paroles, nanani, que du dénigrement de la femme. Et le frère, il lui a dit, bah, ok, en fait, la parole du, la parole du salaf va directement sur toi, quoi. T'en es l'exemple même, quoi. Puisqu'il dit, les femmes ne savent pas se taire, elles sont comme ci, comme ça. Et tu l'as trouvé, le deuxième, c'est bon? Et donc là, elle est venue parler directement, voilà, en disant c'est intolérable, c'est que du négrement de la femme. Ça, c'est une sœur qui a pas, alhamdoulilah. Donc voilà les deux liens, Kamel, par rapport au Haddadi. Donc ça, c'était une femme, je reprends, qui n'avait pas une once de science, c'est pas, tu vois, c'est la passion, c'est l'islam féministe, c'est tout ça. Voilà, nous on est comme les âmes, on est comme si, voilà, et on peut pas dire qu'on manque de religion, c'est pas vrai. Il y a des femmes, elles sont plus pieuses que certains hommes, certains toujours les mêmes arguments. C'est pas le propos, c'est des exceptions. Et puis il y a des femmes qui sont plus intelligentes, et nana, tu parles de ta raison, mais regarde, toi t'es irraisonné, t'es pas mature, et ceci et cela, comment ça on sait pas se taire? Bah, la preuve, elles ouvrent toujours leur bouche pour dire n'importe quoi. Et quand on leur dit de se taire, elles viennent parler. C'est bien qu'elles savent pas se taire. Mais ça, je vous dis vraiment, c'est pas un dénigrement, c'est une réalité. Il n'y peut rien. Il peut rien, c'est comme ça. Et la sœur qui a de la science, pas la sœur qui sait, une serpillière, hein. On n'accepte pas ça. Nos sœurs ne sont pas des serpillères. La sœur qui a un minimum de science et de réforme, elle dira, même avec un sourire, elle dira, mais oui, c'est vrai, c'est la réalité. Et les plus réformés d'entre nous ne sont plus comme ça, parce qu'alhamdoulilah, on a changé. Mais elles acceptent cette critique, entre guillemets, sur la jambe féminine, parce qu'elles le savent très bien que c'est la vérité. Ouais, mais ça, vous allez vous reconnaître. Celles qui sont du camp, hein, qui a encore beaucoup de réformes à faire, et celles qui ont déjà fait du chemin. Vous allez vous reconnaître directement. Donc voilà, pour la question. Jacques Alokhé pour le cours, peut-on donner des dons de cheveux pour des personnes atteintes d'un cancer? Je ne savais pas que ça se faisait, étant donné que leurs propres cheveux tombent. Donc, qu'est-ce que des dons de cheveux vont servir? Je ne comprends pas bien. Je sais qu'on peut donner des choses, de manière générale, je n'avais pas entendu parler des dons de cheveux, mais on peut par exemple donner du sang pour les personnes qui en ont besoin, parce que c'est quelque chose qui se renouvelle. S'il y a un organe, je ne sais pas lequel, hein, je ne m'y connais pas beaucoup, je dis bien Allahu A'lam, je ne sais pas si ça existe, mais si je peux donner une partie de mon foie à ma femme, par exemple, ma femme, si elle a un problème au foie, qu'elle la préserve, qu'elle la vous préserve, si, je ne sais pas, hein, je ne connais pas, je ne suis pas médecin, mais si le foie se renouvelle, etc., en lui en donnant une partie, dernier, une foie ou un rein, vous comprenez, ça ne me cause pas de tort, c'est permis de donner. C'est permis de donner pour aider quelqu'un, d'accord? De manière générale, même sur des organes. Alors que dire pour des cheveux? Je vois pas pourquoi tu pourrais pas donner les cheveux. Par contre, je vois pas après pour leurs propres cheveux, ils les perdent. On me dit une sorte de... pour faire une perruque, pour en façonner une. Oh, Harlem, je sais pas. Je sais pas. Parce que, ouais, pas faire une réimplantation sur quelqu'un qui les perd, donc nécessairement, ils ont besoin d'une perruque. Je ne sais pas qu'il y avait des dons de cheveux par rapport à ça. Je ne sais pas après si eux, il faut qu'ils restent comme ça avec le crâne rasé ou s'il leur est permis de mettre des cheveux parce que c'est finalement après, ce n'est pas leurs vrais cheveux. Donc c'est. Une tromperie. Je ne sais pas si ça rentre dans la tromperie ou vu qu'ils sont malades. Parce que je sais que la femme, il est interdit à la femme de mettre une perruque par exemple. Donc je ne sais pas si la perruque, même pour le malade, est permise. Ça, je ne sais pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Votre famille aussi, Inch'Allah.
Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Maxime, alhamdoulilah, ça va. Les prophètes, alayhi salam, entreront en même temps que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, au paradis. Après, lui c'est en premier. C'est pas en même temps. C'est lui le premier à rentrer. Eux c'est après. Thumma. Puis. Pas en même temps. Pas en même temps. Donc ça c'était par rapport à Haddadi. Inch'Allah mon frère que t'as les liens. Tu peux aller cliquer sur les liens. Donc ça c'est fait. Après que je m'y perde pas. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je fais un cauchemar depuis presque 3 ans. Rala te facilite. Dans lequel j'entends quelqu'un. Je suppose que c'est Shaitan. Ne suppose rien. Tu n'en sais rien. J'entends quelqu'un m'attirer dans le vide. Je ressens mon âme souffrir et j'ai énormément peur. J'essaie de sortir du vide en appelant Allah. À partir de là, je reviens à l'état normal. Je me demande ce que ça peut être. Je ne connais rien en interprétation des rêves. Tout ce que je connais, j'ai déjà répondu plein de fois. D'ailleurs, je crois même que tu m'avais déjà posé des questions sur l'Instagram. Je n'y connais rien. Ne m'interrogez pas sur qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça peut être, etc. Je n'y connais rien en interprétation des rêves. C'est quelque chose de, même comme a dit Shirel Albani, c'est quelque chose, c'est un don qui est donné aux pieux. Il n'y a pas de science réelle, il n'y a pas de hadith, il n'y a pas de verset Qur'an Sunna, il n'y a rien sur la science de l'interprétation des rêves. C'est plus un don qui est donné à un certain pieux. Mais c'est très aléatoire. Il n'y a rien de sahir, vraiment. Et moi, je n'y connais rien là-dedans. Tout ce que je sais, par contre, c'est que le doux rêve, la bonne pensée, quand tu fais ça, c'est Allah. Ça vient d'Allah. Naam. Les choses où tu penses, j'étais là-bas, je suis parti à la CAF, après j'ai vu quelqu'un qui faisait du vélo, c'est ta journée. C'est le nefs. Tu t'es disputé avec ta femme, donc dans ton rêve, tu te vois que t'es en train de te disputer avec ta femme, ou subhanallah, t'es parti voir ton père, t'as mangé des frites, subhanallah, d'accord. Donc ça, tout ça, c'est nefs. Et la troisième chose, c'est le mauvais rêve, dit le cauchemar. Ça vient de Shaitan. Ça vient de Shaitan et des djinns. Des shayatins, donc qui jouent avec toi, etc. Voilà. Donc voilà les catégories. Quand c'est des choses banales de la journée, c'est ton nefs. Quand c'est une inspiration, quelque chose qui pourrait devenir réel, ça vient d'Allah. Hein. On a qui voient des choses, une partie de la prophétie, elle vient chez les pieux. C'est-à-dire que parmi les rêves, ils voient des choses qui vont se passer. Les gens, ils ont des rêves prémonitoires, etc. Des inspirations divines. Donc ça peut venir vraiment chez les gens très très pieux. Et puis sinon, par rapport à ton cas. C'est vraiment Shaitan et les djinns qui s'amusent à te faire peur tout simplement. Maintenant je peux te donner des conseils, c'est déjà, parce que ça vient forcément des péchés, se repentir des péchés. Un mal te touche, c'est un mal. Cauchemar depuis presque 3 ans, subhanallah, qu'à la tête. Ça doit pas vraiment être drôle d'être comme ça tout le temps comme ça, yani, subhanallah, c'est dur. Tout mal qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup, dans le sens des versets. D'accord ? Donc, il faut déjà tout d'abord se repentir. Ça a forcément des péchés sur le dos. Pour subir un mal pareil. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah te guérisse. Il faut donc creuser par rapport à ce point-là. Faire beaucoup d'istighfar et se repentir de tes fautes. Deuxième point. Te soigner, comme on l'a vu avec la Ruqya, toute seule. Te soigner avec Ruqya, car tu as peut-être un mal occulte, un djinn, qui fait que la nuit, il travaille. Enfin, chez les gens, c'est le jour, il y en a, c'est quoi, il t'attaque pendant la nuit, etc. Traiter les djinns avec Ibn la Ruqya, naam. Et ça fait partie du traitement de la Ruqya, en vérité, puisque ça avait des invocations. Ne t'endors jamais sans l'eau d'eau, et en ayant récité les Azkar connus. Voilà les conseils que je peux te donner, ma soeur. T'en remettras à Allah sincèrement. Faire beaucoup de doigts pour demander qui t'aide, c'est Allah qui guérit. Continue d'apprendre le tawhid, te repentir de tes péchés. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Te soigner, bi'idnillah, te soigner. Il faut que tu sois malade en vérité pour avoir ça. Et beaucoup de les afkar avant de dormir, obligatoire. Dans ton cas, c'est obligatoire. C'est obligatoire déjà pour tout le monde. Enfin, c'est pas obligatoire. C'est très très fortement recommandé pour passer une bonne nuit. C'est dans ce sens-là que je dis c'est obligatoire. C'est dans le sens où tout le monde devrait les faire, hein, quand on nous facilite. Mais on dort mieux en les ayant fait, plus de facilité, etc. etc. Par contre, dans ton cas, c'est encore plus quand t'es malade, encore plus quand t'as ça. Tu peux pas t'endormir sans l'eau d'eau, sans quoi, mais tout le rire de ton côté. Voilà ce que je pourrais te dire. J'ai vu Admin qui a posté sur la room une conférence du frère Youssef Abou Anas, Hafidallah ou Ta'ala, qui parle de notion des songes. D'accord, ok, bah, mashallah, très bien. Voilà. Wafiki barakallah. Quelqu'un dit, il y a des noms de savants, Haddadi. Il y a des noms, oui, il y en a certains, notamment un très connu,
Yahya el-Hajuri, c'est ce que j'ai mis dans le lien, la réfutation. Il a été réfuté et mis en garde par les plus grands savants. Et c'est un savant du Yémen qui était l'ancien élève de Cheikh Moukbil, mais il a dévié depuis. Lui, c'est une tête chez les Haddadi. Yahya el-Hajuri, il est une tête chez les Haddadi. Naam. Il y en a d'autres, mais c'est lui qui est le plus connu. Naam. Et la dernière question, est-ce que le prophète a vu Allah Azzawajal, car j'ai lu un hadith qui dit qu'il a vu son Seigneur. Est-ce que possible de voir Allah ici-bas? Il y a divergence au sujet de la vue. Il y a divergence, c'est notamment évoqué dans Usul as-Sunna. Il y a divergence au sujet des savants, à savoir si le prophète, il a vu Allah Azzawajal d'une vision avec son œil, ou il a vu seulement la lumière. Parce qu'on sait que la lumière qui émane d'Allah Azzawajal éblouit tout. Et normalement, un être humain, et le prophète Hassan ne reste qu'un être humain au final, même si c'est le meilleur des hommes, n'aurait pas pu percevoir ça. Donc ça rentrera en contradiction avec le hadith qui dit qu'il l'a vu. Donc il y en a qui ont interprété en disant, je vais faire vraiment un topo très bref, interprété en disant qu'il l'a vraiment vu, d'autres en disant que c'est pas possible, qu'il a seulement vu la lumière, qu'il a vu la lumière, qu'il a ébloui, etc. Il y a plusieurs versions, on dit Allahu A'lam. On dit Allahu A'lam. Ça revenir à Usul as-Sunna. Usul as-Sunna, naam, notamment l'explication de Cheikh Abdelaziz al-Hajiri, qui a décrit cela pour plus de détails, plus de calame de savant, etc. Voilà ce que je peux te dire à ce sujet, la divergence. Voilà. Écoutez, barakallahu fikoum. Non, c'est pas fini. Assalamu alaikum wa rahmatullah, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais savoir le jugement porté sur les statues et les monuments mémoriaux. Eh ben, c'est les statues et les monuments mémoriaux. Ben, les statues, tu sais déjà ce que c'est. Les statues, c'est haram. C'est strictement haram, les statues. D'autant plus que les hommes vont être vénères en dehors d'Allah. Et le statut d'une personne qui, les ceux qui vont sur ce genre de sculpture pour rendre hommage à une quelconque chose, c'est haram. C'est haram et ça peut amener au shirk. La statue est haram en soi car c'est une façon de façonner une créature qu'Allah a créée, premièrement. Et deuxièmement, les statues, pourquoi elles sont interdites? C'est pas bête et méchant comme ça. Il y a toujours une explication dans le din. Pourquoi les statues sont interdites? Normalement, vous devriez tous répondre en cœur puisqu'on fait les cours de Kitab al-Tawhid. Tous. Parce que ça mène au shirk. Parce que justement, les monuments mémoriaux Zerma et les statues, la statue, c'est une imitation de la création d'Allah, c'est haram en soi. Femte, khlas, on ferme la porte. Mais le monument, les monuments mémoriaux, il n'y a rien, c'est un carré, il y a des inscriptions. Mais même, parce que ça mène au shirk. Bah, les tombes, c'est quoi? C'est pas une reproduction de la création d'Allah, c'est un tombeau. Pourquoi les gens, des fois, ils viennent faire du shirk là-bas? D'accord? Donc tous ces gens qui viennent sur les genres de sculptures, tombes, mémoriaux, tout ça, pour Zerma rendre hommage. Faut voir c'est quoi l'hommage. Si c'est comme à Médine, passer à côté de la tombe du prophète salam, et dire assalamu alaikum en passant, c'est permis. C'est permis. Mais déjà, y aller juste pour ça, aller à Médine juste pour dire assalamu alaikum, c'est pas permis. Les savants, ils ont dit. Si tu passes, t'es à Médine, tu passes à côté de la tombe du prophète salam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu dis. Tu passes le salam au prophète salam. Naam? Naam. Y aller seulement pour ça, c'est pas permis. D'accord? C'est pas permis. Que dire d'y aller, commencer à faire doa et l'invoquer et faire. Non. Donc, faut voir c'est quel genre d'hommage. Quel genre d'hommage. Hein? Et puis, qui sont les gens qui sont sur ces statues? Et quels sont ces monuments? Hein? Les mémoriaux? C'est quoi? C'est la plupart du temps, c'est les koufars. Je vais aller faire quoi, moi, sur la statue de Staline ou de quel rappeur ou de Rocky Balboa ou, comprenez, ou mémoriaux de la guerre de Verdun, je vais quoi faire tout ça? C'est hommage à quoi? Rendre hommage comment déjà? Parce que c'est à base de shirk l'hommage. Et à qui et à quoi? Voilà, je pense que j'ai été clair. Et ma deuxième question, quel est le jugement d'une personne qui affirme qu'apprendre l'arabe est prioritaire au fait d'apprendre l'aqida? C'est une personne qui veut me réfuter, c'est ça? Apprendre l'arabe est prioritaire au fait d'apprendre l'aqida. Très bien. Quel est le jugement? Je pense qu'elle... Soit c'est fait exprès de dire ça pour me réfuter, parce qu'il y en a, c'est ça, ils trouvent. Ce que je dis, si je dis A, ils vont dire B, si je dis blanc, ils vont dire noir, si je dis nuit, ils vont dire jour. Non, je la connais, la sœur, elle veut pas te réfuter. D'accord. Il y en a, des fois, c'est comme ça, ils veulent juste me contredire. Quel est le jugement? Je ne veux pas dire jugement, parce qu'elle ignore, elle ignore la chose, quoi. D'accord. Elle ne sait pas que Allah Azzawajal va me questionner, car elle a entendu des gens dire ça, en fait. Des gens dire ça. Il y a beaucoup de gens qui disent plein de choses, tu sais, en fait. Beaucoup de gens disent beaucoup de choses. Faut voir, en fait, ils tiennent sur quel argument et quel dalil pour dire ça. Moi, tout ce que je sais,
c'est qu'Allah Azzawajal va m'interroger, t'interroger et les interroger à savoir si quoi ? Si j'ai bien pratiqué le din. Et si j'ai une bonne croyance. D'accord. Pas si j'ai l'arabe. J'ai pas un péché. J'ai pas un péché en apprenant pas l'arabe. Qui me ramène un dalil là ? Tout de suite, maintenant, je veux le dalil dans les 10 minutes qui suivent. Ramenez-moi le dalil que de ne pas apprendre l'arabe, j'ai les machia, j'ai les dvou. Ramenez-moi. La personne qui n'est pas arabophone, elle est dans un état de péché permanent, alors. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apprendre l'arabe, c'est très, 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 très important. On l'a dit, on le redit, on le redira. Très important. Tu peux pas rendre ça comme... Tu peux pas... Quand tu dis des choses dans la religion, dans la religion, tu dois parler avec preuve. Tu peux pas parler comme ça. Moi, je pense qu'apprendre l'arabe, ça passe prioritaire avant d'apprendre l'aqidah, subhanallah. Pour plusieurs raisons, déjà. Je viens t'expliquer. Apprendre l'arabe, t'as pas de péché si tu ne le connais pas. Il y a des gens, ils peuvent pas apprendre l'arabe. Ils ne peuvent pas. C'est pas qu'ils veulent pas, ils ne peuvent pas. Donc, ils ont des péchés. Par contre, ils doivent apprendre ce que tout musulman et musulmane se doit de connaître. Ce qu'il y a dans les trois fondements, ce qu'il y a justement dans le livre, les leçons importantes. Ce qu'il y a dans Kitab ou Tawhid, ça, c'est très, très important. L'aqidah, c'est les bases. Donc celui qui a une bonne croyance, mais qui parle en russe, alhamdoulilah. Maintenant, si il est en Russie, il apprend en plus l'arabe, alhamdoulilah, masha'Allah. Encore mieux, Allah yberek. Mais s'il a déjà la bonne croyance, quand il prie selon la sunna, hein, il est masha'Allah dans ses mouvements, il prie selon la sunna, il a l'habit légiféré. Donc ça, c'est quelqu'un qui a un égaré pour lui, il n'a pas appris l'arabe, donc il n'y a pas de priorité. La priorité, c'est d'apprendre l'aqidah. C'est d'apprendre l'aqidah, j'avais déjà même parlé longuement de ça dans un cours. Si j'en ai pas fait un audio dédié d'ailleurs, je sais plus. À savoir, oui l'arabe, oui. Oui même le Coran, il y a des gens qui vont dire le Coran avant tout. Mais non, en vérité. Apprends déjà la croyance. Apprends déjà la croyance. Apprends déjà les bases de ton dîn. Apprends à prier correctement. Apprends à adorer ton Seigneur correctement. Et après, Inch'Allah, tu apprends... Ou en même temps, ça c'est les gens mais qui ont été facilités. Bien sûr, j'ai cours de Aqidah, en même temps j'ai cours d'arabe, en même temps j'ai cours de Coran. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ces gens-là, Inch'Allah, Allah Iberek, qu'Allah leur rajoute. C'est magnifique. Mais si j'avais un choix, et c'est même d'ailleurs le choix que j'ai fait par rapport à ça, on apprend un peu l'arabe, etc. On a quelques notions, mais c'est de miser sur le tawhid, sur l'aqidah, bien comprendre les choses. Apprendre qu'Allah, comme j'ai déjà expliqué, les fissama, ça se dit en arabe, fissama donc au ciel. Ou alors que j'apprends à quelqu'un qui ne connaît pas un broc d'arabe, qu'il est au ciel, c'est pareil. La finalité, c'est quoi ? Il est fissama, au ciel. Quelqu'un, il va dire fissama, l'autre, il va dire au ciel. Est-ce que vous comprenez ? De même, je vais dire, ne fais pas la ressemblance avec la créature, Allah Azzawajal. Ne le fais pas, ça. Et il ne va pas le faire. Il est mashallah dans l'aqidah. Mais il ne sait pas que ça veut dire tashbih. Il ne sait pas que ça se dit tashbih ou tamfil. C'est de l'arabe, mais il ne sait pas que ça veut dire ça. Donc c'est quoi le rapport ? Il a un péché parce qu'il ne sait pas que ça veut dire tashbih. Il aurait dû apprendre tashbih sans même savoir ce que c'est et faire de la ressemblance à Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Qu'Allah guide ces gens-là qui disent ça. Qu'Allah guide ces gens-là. Wallah al-Azim, qu'Allah guide ces gens-là. Ils disent en gros qu'il est préférable de savoir dire tashbih et l'écrire et mashallah et même calligraphie et tout. Plutôt que de ne pas faire tashbih. Je dis la hawla wa la quwwata illa billah. C'est grave. Moi, je préfère pas parler un mot d'arabe et ne pas faire la ressemblance à la parole. Avoir une aqidah correcte. Ça, c'était mon deuxième argument. Hein. Ça, c'était mon deuxième argument. Et le troisième. Combien d'arabophones pointus, très pointus, mais qui dépassent énormément de gens dans la langue arabe, même certains savants. Des pointures en langue arabe. Des gens qui ont tout misé sur la langue arabe. Très éloquents. La grammaire, les poèmes, tout. Des prodiges dans la langue arabe, mashallah, vraiment très fort. Ouais, c'est même des koufars. T'as les soufis, tout ça. Hein, ils ont mémorisé les six authentiques. Sahih Bukhari, Abu Daoud, etc. Hein, muslim, tout. Tirmidhi, et tout. Le Coran plus ça. Hafidh al-Coran plus les six recueils connus. Nasai et compagnie. On dit quoi de ces gens-là ? C'est les soufis. Ils font du shirk. Akbar. Ce sont des koufars. Cette proto, qui est cette proto qu'on connaît, excellent dans la langue arabe, il excellait, un maître dans la langue arabe, qui est cette proto. Donc t'as une mauvaise aqidah, mais t'as l'arabe, à quoi ça sert? Mais d'où vous sortez que l'arabe fait rentrer au paradis? J'arrive pas à mauvais. Ces gens-là, en fait, je crois qu'ils sont passionnés. Je sais pas d'où ils sortent ça. Wallah il a ramené. Et j'ai pas dit que l'arabe c'est pas important. J'ai juste dit le mettre comme ça en pole position avant tout. Non! Si tu peux, et je répète, si tu peux, mais encore une fois, c'est une possibilité, apprendre et l'arabe, et le Coran, et la aqidah, et du fiqh, je te dis, Allah Azzawajal, il te veut vraiment du bien. Et profite de cette grande ni'ma, tu es dans un bienfait immense. Wallah, c'est vraiment super et c'est vraiment génial. Mais s'il y a un choix, et là on parle de priorité, la sœur dit, et ceux qui disent que c'est prioritaire. Non, la priorité c'est la aqidah. C'est les leçons importantes. Naam, quand tu es un converti,
Je crie parce que ça m'énerve, ces trucs-là. Et un converti, tu lui dis quoi? Eh, va apprendre l'arabe, toi. Ou je lui envoie quoi? Les trois fondements, kitab tawhid. Avant tout d'abord, déjà, les leçons importantes. Donc, Inch'Allah, il faut revenir à ça. Subhanallah. Comment maintenant, ça y est, va apprendre l'arabe, tome 1 de Médine, sinon mon frère, je ne vais pas me parler. Mais Allah, comment ça se passe au niveau de l'adoration? Je prie, comment tais-toi. N'apprends pas à le faire, surtout n'apprends pas la croyance. D'abord, c'est l'arabe. La ilaha illallah. Et récite le Coran comme un perroquet, comme les Mauritaniens. Je critique pas le peuple mauritanien. C'est juste qu'ils sont connus pour apprendre le Coran très tôt. Sauf que, ils mémorisent le Coran comme des perroquets, pour la plupart. C'est tout. Mais ils n'ont aucun fiqh, aucune compréhension de la religion. Khalas. Ils font shirk, ils font bid'ah, ils font l'islam du bled, ils sont fashion. Les femmes, même, elles sont dans des instituts mixtes avec les hommes, sans le voile. Mais mashallah, la Mauritanie, hein, attention. A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim jusqu'à Ennes. Mashallah. Taïb, c'est bien. Hein, à quoi ça sert tout ça? C'est contre eux. Donc, oui, la langue arabe, oui. Si elle est utile, et si elle est étudiée chez les salafis, déjà, premièrement. Oui, la langue arabe, et oui, le Coran. Si tu mets en pratique chaque verset que tu apprends. Omar ibn al-Khattab, il a mis 12 ans pour apprendre surat al-Baqarah. Maintenant, on nous dit, en 6 mois, tu dois avoir le Coran, pars en Égypte, pars en Mauritanie, apprends l'arabe, c'est la base. Subhanallah. Apprends l'edeb déjà. Apprends l'edeb. Éduque-toi. Apprends les bases de la aqida. Ça, c'est mon conseil, je le dis devant Allah et je sais qu'Allah, il m'entend. Apprends l'edeb. Apprends la aqida. Apprends les bases de ton dîn à pratiquer. Et en même temps, ou puis, juste après, oui, apprends ton arabe, c'est très important. Apprends l'arabe pour bien comprendre la langue du Coran al-Karim. Apprends l'arabe, apprends le Coran, etc. Bien sûr. D'accord? Nous ne sommes pas des arabophones. Donc, ce n'est pas inné chez nous. On n'est pas né avec la langue arabe comme ça. D'ailleurs, les arabes non plus, les enfants, on leur apprend. C'est différent. Quand tu es né en Arabie Saoudite, l'arabe, il vient avec tes premières années. À 5 ans, tu parles à 5 ou 7 ans, je ne sais pas. Il parle arabe couramment. Ça n'a strictement rien à voir, vous comprenez? Nous, on parle des non-arabophones. Ramenez-moi des dalils comme quoi c'est plus important maintenant, des preuves. Hein. Comme quoi, c'est très important d'avoir la langue arabe. Khalas, mais il a zéro dans la aqida. Subhanallah. Ben, je peux vous dire que avoir la aqida et une bonne compréhension du dîn, même avec la langue française et du coup, peu d'arabe, mais quelques mots de vocabulaire quand même, etc., pour bien comprendre et tout, c'est quand même bien plus important. Parce que tu vas apprendre à prier d'une bonne manière. Tu vas adorer Allah d'une bonne manière. Tu vas pas faire les innovations. Tu vas avoir la bonne croyance. C'est très important, ça. Ne pas faire du shirk. T'as pas besoin d'être arabophone pour ça. Ne pas te prosterner sur une tombe et invoquer autre qu'Allah. Faut le faire en arabe. Ces gens-là, ils ont du rouleau. Ils sont partis dans un truc, je sais pas qui leur a dit ça. Et ils ont du rouleau. Wallah, ils ont du rouleau. Et voilà. Et ben, s'ils veulent apprendre l'arabe en premier, avoir zéro dans l'aqida, et dans le manhaj aussi. Il n'y a qu'à voir déjà les dégâts, des fois, de certains. Ils se concentrent tout sur le Coran et l'arabe. Il n'y a qu'à voir après les dégâts dans la croyance, justement, et les dégâts dans le manhaj et dans l'adab. Pour moi, mauvais cheminement. Mauvais. Pas bon. Pas bon. Et j'espère qu'on ne me troquera pas mes propos encore. Puis, de toute façon, j'en ai plus rien à faire. C'est trop fort. J'ai pris du recul avec tout ça. Il a dit que l'arabe c'est pas important, il a dénigré l'arabe. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et tu peux tout faire, je le dis encore une dernière fois, tu peux tout faire en même temps, c'est la meilleure des solutions. Mais si pour diverses raisons, comme pour moi, ou comme pour toi, ou comme pour lui, ou comme pour elle, c'est pas évident. Il n'y a pas d'institut salafi, c'est pas évident. Les cours sont payants, t'as peut-être pas l'argent, c'est pas évident. Alors, Arlem, chacun les problèmes. Et bah, concentre-toi déjà sur apprendre les bouquins de Arkeda en français. Pourquoi? Moi, je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. On va continuer dans cette réponse qui... Presque c'est un rad, c'est une réfutation de cette idée-là, et ça tombe très bien. Pourquoi il y a des livres en français? Pourquoi il y a même encore des éditions salafi aujourd'hui qui éditent des livres en français? Ne dites pas, oui, mais non, mais ceux qui éditent les livres en français, c'est toujours les Al-Bayyinah, Al-Hadith et les Égarés. Non, non, non! Je parle de vos éditions chouchou, favoris. Taouba, Al-Nasiha, Audio Sunna. Je les connais, tout cela. C'est des gens, din al-haq, des gens que vous aimez, que vous respectez. Oui ou non? Oui. Pas de mise en garde sur eux, ces machins-là. Pourquoi ils éditent des livres en français? Je veux une réponse maintenant et tout de suite. Je veux un dalil. Pourquoi ils éditent des livres en français? La ilaha illallah. Pourquoi Atman Aboulaye, Souleymane Al-Haïti, Cheikh Chalabi et Babababa, ils parlent en français dans leurs conférences? Pourquoi faire? Pourquoi ils se tuent à enseigner la aqida aux gens en français? Pourquoi ils apprennent pas l'arabe aux gens? La hawla wa la quwwata illa billah. Là, je suis énervé. Je lui ai dit, voilà, ça m'énerve. C'est pour te dire, ça me saoule. Trop de bêtises, ça m'énerve. Là, il courait, il donne pas des cours d'arabe. Puisque la base, le dogme, le tawhid, c'est l'arabe. Et bah alors, on devait faire tome de Médine depuis longtemps. Souleymane, il a commencé à prêcher en 2005 ou 2010. Depuis son site, après peut-être avant en réel. Mais depuis son site, c'est depuis 2006, je crois, les premiers cours. 2005, ça date, hein.
Pourquoi il n'y a pas de cours d'arabe? Donc en 10 ans, 12 ans de prêche, Souleymane n'aurait pas pu enseigner l'arabe via son site aux gens, etc. Non, ils ont fait des cours en français, il y a tout un tas de trucs. Sur ci, sur ça. Atman Abou Laïs, en France, qu'est-ce qu'il fait? Du prêche de Darwa Salafia en langue française. Pourquoi Sadek Abou Yahya, les gens de la voie droite, pourquoi il s'évertue à prêcher en langue française? Puisque la base, c'est l'arabe. Pourquoi ils enseignent le tawhid aux gens, la aqida aux gens? Voilà, c'est ce que tu répondras à cette sœur-là. Bon, pas avec mon ton à moi, c'est parce que moi, je suis gavé de tout ça. Ça m'énerve. Tant de bêtises, moi, c'est... À la fin, ça m'agace. La vérité, franchement, ça m'agace. Parce que c'est tout... J'ai toujours dirigé les questions, on me les pose toujours à moi, ces choses-là. Et comme quoi, il n'y a que moi qui peux répondre à ça. Voilà. Alors qu'ils arrêtent d'éditer aussi des livres en français, hein, qu'ils fassent que des livres d'arabe distribués gratuitement, qu'ils fassent un grand programme pour que tout le monde soit arabophone. Donc arrêtez d'éditer des livres en français, c'est pas bien de parler français. C'est haram, c'est ce qu'ils disent. Il n'y a que l'arabe. Si t'as pas l'arabe, t'es un mécréant. J'exagère exprès. Voilà. Donc la base, la priorité, c'est l'arabe. Alors arrêtez d'éditer des livres en français, arrêtez de donner des cours en français, et puis arrêtez de poser des questions en français. Vous utilisez la langue française, alors que tout le monde est l'arabe avant de commencer à faire de raka. Et avant de dire que Allah, il faut pas lui faire le tashbih, il faut pas lui faire le takif. Enfin, donc c'est-à-dire, là j'ai dit en arabe, oups. Donc il faut pas lui faire la ressemblance, il faut pas faire la comparaison, il faut pas interpréter, et il faut pas nier. Allah, je préfère être un non-arabophone. Ça, c'est même un frère étudiant qui m'a dit ça un jour. Je préfère être un non-arabophone avec une bonne aqida. C'est un grand étudiant qui a dit ça. Hein? Il a dit, mieux vaut être non-arabophone avec une bonne croyance. Mieux vaut être non-arabophone avec une bonne croyance que d'être arabophone. Donc, c'est-à-dire qu'il sous-entendait, en fait, la question, on lui avait posé une question, il avait répondu non. Pourquoi non? La question était, est-ce que c'est permis d'aller étudier l'arabe chez les Hizb? Il a dit non. Il a cité ça après, il a dit mieux vaut être non-arabophone, c'est-à-dire que tu t'es privé d'aller apprendre dans tel ou tel institut Hizbi, vous comprenez, hein? Donc, parce qu'ils vont t'égarer dans la aqida, donc il disait mieux vaut être donc un non-arabophone avec une bonne croyance, tu apprends chez les gens de la sunna, mais ils ne dispensent pas de cours d'arabe, donc tu n'as pas l'arabe, mais allez, je suis patiente, inshallah, que d'être un arabophone, qui a une croyance de Hizbi qui a été polluée, ça me paraît évident. Maintenant que chacun fasse ce qu'il veut, s'ils veulent l'arabe en premier, à tout prix, va étudier à Château Chinon, va. Va chez Behbesh, mais il y a plein d'Ahbesh qui sont arabophones. Hein. Ouais, je les envie pas. Hein. Je préfère avoir mon tout petit faible niveau en arabe, vraiment ras des pâquerettes, mais avoir l'arabe que j'ai et le peu que je connais du dîn. Je vous dis la vérité. Mais bon, voilà. Voilà ce que j'ai à dire. De toute façon, encore une fois, les gens qui donnaient comme pas mal d'arguments, je pense que j'ai pas dit « Ah non, c'est mieux juste comme ça. » J'ai pas répondu par oui ou par non. J'ai parlé peut-être pendant un quart d'heure. Désolé pour l'énervement, mais c'est... Non, je suis même pas désolé d'ailleurs, parce que c'est pour Dean, donc je suis même pas désolé. Faut... Avant de poser des questions, il faut réfléchir, et puis avec ma réponse là, il faut aussi y méditer. Voilà. Vous allez aller voir Dean El Haq, Audio Sunna, j'attends de vous, hein. Taouba, tout ça. S'il vous plaît, les frères, arrêtez d'éditer des livres en français. Stop, c'est bon maintenant. Vous allez, on va faire les tomes de méditer, parce qu'on en a marre. Hein. Et puis les frères, arrêtez de prêcher en français aussi, c'est n'importe quoi. Allez, khas. Alors. Kamel me dit au frère que selon un récit, il faut que je vérifie l'authenticité, hein, rapporté par Hamidullah dans son livre, ouais, 6 lettres diplomatiques du prophète, il rapporte que Salman el-Farisi, grand compagnon, c'est pour ça que j'ai appelé mon fils Salman, Inch'Allah, radiallahu anhu, et Hamidullah ou Ta'ala, a eu l'autorisation du prophète de traduire certains passages du Coran en perse pour justement diffuser le message. Ouais, vous vérifiez l'authenticité. En tous les cas, ça semblerait logique. Autre point, ça me revient. Ah, ils ont voulu poser la question. On va aller jusqu'au bout. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Apprendre l'arabe, oui, mais pas à n'importe quel prix. J'avais évoqué certains points, mais là, à l'époque, j'avais pas tous les éléments que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était plus percutant. Je sais pas si je vais le couper pour le mettre en ligne ou pas. Je suis fatigué des fitaines et des débats et des répliques. Donc, s'ils veulent revenir à ma parole, qu'ils reviennent directement en cours. J'ai franchement la flemme de faire un coupage. Dis la vérité, franchement. Avant, j'aurais été le premier à dire, attends, je vais le mettre en ligne, je vais leur montrer. Maintenant, je m'en fiche. Très sincèrement, je m'en fiche. Mais, je me rappelle que j'avais déjà fait un truc là-dessus où j'avais mis ça en avant. Et j'avais parlé, je crois, à l'intérieur de ça, de Mohamed ibn Abd al-Wahhab, qui prêchait aussi en dialectal, à ceux qui ne comprenaient pas l'arabe. C'est-à-dire qu'il leur... Comment dirais-je?
des séminaires, mais des séjours dans divers pays. Hein. Et il y en avait, ils avaient, ou même dans la région arabe, mais il y a des cours où c'est dialectal. C'est pas l'arabe littéraire. Il s'est adapté. Il avait appris le dialectal, il parlait comme ça avec eux. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est un égaré, il aurait dû d'abord leur apprendre l'arabe. Non, il voulait renseigner la aqida. L'intérêt, c'est que tu ne fasses pas de shirk et que tu adores Allah seul sans associé. C'est ça le premier intérêt. C'est pas que t'es l'arabe. Subhanallah, cette question-là, mais la ilaha illallah. Être arabophone avant de ne pas faire de shirk. La ilaha illallah, mais d'où ils tiennent ça? Allah Azza wa Jalla, il dit: je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Qu'est-ce qu'on a vu dans Kitab al-Tawhid? Qu'est-ce que ça signifie? Pour qu'ils ne m'associent rien, pour qu'ils soient écartés du polythéisme, pour qu'ils soient des monothéistes purs. Il n'a pas dit: je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils parlent arabe. La ilaha illallah. Allah se considère. Mais la sœur, elle n'est pas la seule à dire ça. Je m'acharne tant que sur elle. Il y a plein de gens qui disent ça parmi les salafis, Arma. Plein m'ont réfuté. Ouais, il dit ça, machin. Subhanallah. Faire passer la aqida derrière. D'accord. Mais pourquoi le Coran il est traduit en français alors? Pourquoi il est traduit dans toutes les langues? Pourquoi il n'y a pas que l'arabe? On dit non, le Coran est en arabe, on ne fait pas de traduction du sens des versets. Débrouillez-vous, apprenez l'arabe. Parce qu'on veut amener la parole d'Allah au cœur des gens. Pour qui? Mais là, via leur langue, ils aient envie d'apprendre cette religion-là. Vous imaginez, s'il y avait zéro livre en français, zéro cours en français, on connaîtrait quoi du dîme? Toi, moi, lui, elle. Sans l'arabe. Certains d'entre nous, ils auraient poussé, ils auraient été à apprendre l'arabe. Ceux qui ont eu la possibilité, ceux qu'Allah a facilité, certes, et les autres. On en fait quoi? Poubelle. Donc la folle française ne sert à rien. Je l'avais déjà dit dans un post, le français, merci. Oui, merci le français, bi'idhnillah. Allah Azza wa Jalla nous remercie, alhamdoulilah, qui est le français. Pourquoi? Ça aide. C'est une béquille, une bonne béquille quand même. En attendant que, bien sûr, la finalité n'est pas le français. On ne se repose pas sur le français à vie. Mais en attendant, je suis désolé mes frères et sœurs, en attendant d'avoir l'arabe, le français c'est quand même bien pratique. Et le russe c'est bien pratique. Et le chinois c'est bien pratique. S'il n'y avait pas de langage, il n'y avait que l'arabe. Et qu'on n'avait que ça de la religion. Tout est en arabe. Mais peut-être moi je ferais du shirk dans le Mustaïn. Toi tu ferais du shirk, tu ferais des bid'a, peut-être tu serais même pas musulman. Bah, c'est fort probable. Quand je dis des si, c'est des suppositions licites de dire ça. C'est comme quand le prophète Hassan dit: si Moussa était vivant aujourd'hui, il n'aurait d'autre choix que de me suivre. Tant. Bah, c'est pareil. Si c'était que l'arabe, on ferait comment? Donc ça, je pense que là j'ai balayé l'argument de long en large en travers. Le prochain qui vient, je lui dis: écoute le cours 23 du 4 mars à la fin. Terminé. Parce que là. Ah non, on va balayer. Hein. J'ai jeté vos exemplaires du Coran en français, enfin brûlez-les. Hein. Enlevez tout, ne parlez plus un mot en français dans la religion. On va rigoler. Hein. C'est facile ça. Ceux qui ont un peu appris l'arabe, en fait, ils s'enorgueillissent. Quoi. Comme eux, ils ont eu la possibilité de l'apprendre et tout ça, ils dénigrent les autres. Ça, c'est encore une fois, mashallah. J'y vois aucune sagesse, aucun intérêt. Les arguments sont là, les faits sont là pour les réfuter de toute manière, parce que dans le monde, c'est traduit le dîn, hein, que ce soit dans les recueils des hadiths, les livres des savants, ou le Coran même. Et c'est, subhanallah, ça parle, les faits parlent. C'est-à-dire que c'est traduit dans moult langues, donc je vois pas. Bref. Encore une question. Après, on va se quitter parce qu'il est 23h15. Comment répondre à ceux qui disent que c'est obligatoire d'apprendre l'arabe? Tu rigoles, là. Je viens de parler pendant une demi-heure. Tu leur fais écouter ce que je viens de dire. C'est très important, c'est pas obligatoire. C'est très important. Très, 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 très important. Obligatoire rentre dans le fait que si tu le fais pas, t'as un péché. Or, je n'ai pas de péché à ne pas apprendre l'arabe du moment où je fais des efforts quand même pour l'apprendre, je cherche à l'apprendre dans la mesure de mes possibilités, mes capacités, je m'intéresse, j'aime cette langue, je la dénigre pas. Voilà. Je dis pas, non, l'anglais c'est suffisant, l'anglais c'est mieux. Non, la langue arabe est la plus belle, la plus éloquente, c'est la langue du Coran, on doit l'apprendre, c'est vraiment très très utile pour qu'on comprenne le Coran et les durus et les livres des ulama, tout ça, oui. Mais quand tu dis obligatoire, t'es en train de dire que si je le fais pas, j'ai un péché. Non, il faut déjà avoir la possibilité de le faire, et puis voilà, quoi, c'est tout. Et chacun en fonction de ses capacités. Pendant ce temps-là, tu fais en français, il n'y a pas de mal. Voilà. Qu'Allah nous facilite en tout cas d'avancer. Qu'Allah nous facilite pour avancer. Ils disent qu'on ne peut pas bien comprendre la religion sans la langue arabe. Tu ne la comprendras pas, certes, tu ne pourras pas aller très haut. C'est une réalité. Tu ne pourras pas aller très haut dans la compréhension du Coran. Méditer vraiment les versets et avoir toutes les clés et tous les détails qu'il y a dans les versets. Naam. De même, par rapport, tu vas être limité parce qu'on va toujours être obligé de te traduire les livres des ulama. Tu vas avoir le contenu de ce qu'ils disent. Mais voilà. Tu es tributaire des éditeurs et des traducteurs. Tu t'attends après. Pareil, une conférence d'un savant, tu ne peux pas aller l'écouter directement. Il faut que quelqu'un fasse la traduction, vous savez, mettre les petits sous-titres en dessous, etc. Donc tu es limité, tu ne pourras pas aller très haut. Parce que tout n'est pas traduit, tout simplement. Si tout était traduit, tu pourrais avoir une bonne compréhension complète de la religion.
Puis même, la langue arabe a son éloquence. Quand la khutba, par exemple, le dars du savant vont être traduits, tu vas avoir le sens, mais peut-être 80% du sens de ce que le savant veut dire. Parce qu'il y a des choses qui ne se traduisent pas en français. La langue arabe a une éloquence. Donc c'est vrai que t'auras pas tout. De même le Coran. Ce qu'on a en français, c'est 70%, comme m'a dit mon chir, des sens du Coran. Donc qui va être un peu limité. Il y aura des choses qui vont t'échapper. D'accord ? Yarni, c'est vrai que voilà. Tu peux avoir des clés, des bases, tu peux avancer des débuts, mais tu n'iras pas très 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 haut si tu te limites à la langue française ou anglaise ou russe ou chinoise ou américaine, bref, n'importe quoi, ou sénégalais ou ce que tu veux, parce que tu vas à un moment donné avoir besoin de l'arabe. Mais à travers quand même des livres qui ont été traduits, t'acquiers quand même un savoir. Si tout avait été traduit dans ta langue, ce serait déjà un peu plus différent. T'aurais beaucoup plus de sciences, mais très très peu de choses ont été traduites. On passe à côté d'ouvrages magnifiques. Je vois des fois des ouvrages en arabe, subhanallah, ils ne sont jamais été traduits en français. Des perles, des noms de livres, subhanallah, on les entend des fois même, mais ils n'ont pas été encore traduits en français. Puis des fois, il y en a qui arrivent sur le marché en français. Il y en a des fois qui arrivent il y a encore quelques années où Sous la Sunna n'était pas en français. Maintenant, il est disponible en français. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais pas, qu'est-ce qui a été récemment traduit? Il y a plein d'ouvrages comme ça. Ils disent, subhanallah, alhamdulillah, il a été traduit, la petite risala de Cheikh al-Islam, pourquoi les savants divergent, etc. C'est pareil, c'est super. C'est super, super enrichissant, tu vois. C'est un livre en arabe, comme ça, une petite risala comme ça dans un coin. Si elle n'est pas traduite, ça ne nous parvient pas. Donc c'est vrai que ceux qui ont l'arabe, eux, ils vont fouiller directement dans toutes les grandes bibliothèques où il y a tout directement les livres en arabe. Et ils ne sont pas. Tu vois, ils sont pas limités par cette barrière de la langue. C'est vrai que c'est une facilité. Maintenant, de là à dire qu'on ne peut pas bien comprendre la religion, je dis non, c'est pas vrai. Tu peux avoir une bonne compréhension de la religion. Tu n'iras pas très 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 haut dans l'étude, tu ne feras pas une faculté de hadith avec la langue française, ça c'est clair. Mais c'est quoi bien comprendre la religion? Encore une fois, c'est des gens voilà, qui veulent. Bref, ce qu'ils veulent. Voilà. Tu peux avoir une bonne compréhension de la religion avec ta langue, Inch'Allah, si tu fais des efforts. C'est Allah qui accorde la compréhension. Il y a des arabophones qui ne comprennent rien. Donc on revient au début de ma réponse, en fait. Et ça commence à m'agacer, là, j'en ai un peu marre, pour tout vous dire, pour qu'on va un peu calmer le jeu, avec des interventions. Je vois qu'il y a encore plein de commentaires sur ça, et ceci, cela. On va arrêter là, parce que j'en ai marre, tout simplement, je vais arrêter. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, on revient, on tourne en rond, en fait. C'est des gens qui veulent mettre en avant que la langue arabe, et on oublie le reste. On ne peut pas comprendre la religion sans la langue arabe, c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu peux très bien la comprendre, c'est Allah qui donne. On revient à ce que j'ai dit avant, il y a des arabophones excellents. Ils sont complètement égarés, tu vois bien que c'est Allah qui guide et qui égare qui veut. Il y a des gens, ils parlent pas un mot d'arabe. Moi, ils me disent que j'ai un mauvais arabe, mais ça va, je connais quand même des choses. Je sais lire, écrire, j'en ai voir, bref. Moi, je connais quelques petites choses en arabe. Puis encore, je tâtonne. Je peux faire une erreur de prononciation, mais quand bien même. Je pense que j'ai quand même compris mon dîme, je suis pas un égaré. Non? Je sais pas, je vous demande. Voilà, c'est certain, oui, mais bref. Je connais 2-3 points, j'ai une croyance correcte, alhamdulillah. Je suis pas un herpèche. Je suis un soufi? Ou pas? Non? Bon. Et les soufis sont arabophones, donc arrêtez avec ça. Hein? Sans la langue arabe, non, c'est Allah qui guide, c'est Allah qui égare en fonction de l'ikhlas, les efforts, et puis de la destinée de chacun. Il y a des gens qui doivent comprendre certaines choses. Et puis ikhlas. Maintenant, oui, à un moment donné, tu n'iras pas plus haut. Il va y avoir un truc. Je le vois bien, même moi. Je suis limité parce que j'arrive pas il faudrait encore que j'avance dans la langue arabe. Et je vois bien que je suis limité. Je veux aller au-dessus, plus haut. Il y a des choses que je voudrais faire ou lire, je peux pas. Je vois bien qu'à un moment donné, il y a un plafond. J'ai des connaissances, voilà, j'ai compris ça, la croyance, ok, les bases, les bases. Pour les bases, oui, c'est bon, mais après, je vais aller plus haut. Tu veux commencer un petit peu à aller au-dessus, là, je vais faire qu'il y a des trucs en français, mais c'est limité, les fondements de la jurisprudence. Tu vois, si tu veux commencer à parler du hadith, la science du hadith, il faut aller en arabe. Et puis beaucoup de livres, des trésors qui sont sous mes yeux, même que j'ai à la maison, et qui sont en arabe, que je me dis, subhanallah, il n'y a pas les harakats, j'aimerais bien les lire, subhanallah, vous comprenez? Pour celui qui parle couramment arabe, oui, quelque part, je l'envie, donc que personne ne dise que je dénigre la langue. C'est juste qu'on a envie d'avancer pour évoluer. Mais de dire qu'on ne comprend pas la religion, faut arrêter, quoi. Moi, je connais des arabophones, même qui ne sont pas chez les Ahbesh, hein. Même qui ne sont pas chez les Ahbesh, hein. Des arabophones qui sont chez les salafis, hein. Je parle, hein. Je dis ça humblement. Et ils ont quand même moins de science que moi. J'ai dit ça humblement. Wallah, je le dis. Il n'y a pas de truc, c'est de juger les faits, voilà. Moins de connaissances, et même dans la croyance, des fois, il y a des trucs... c'est un fait, point. Donc ça, c'est un truc, je le vois. L'arabe, ça peut t'aider si c'est couplé à la recherche de la science. Ça peut même beaucoup t'aider. Mais c'est pas un dalil en soi. C'est pas lui, là, l'arabe, il est machallah bien guidé. Toi, t'as pas l'arabe. T'es un égaré. T'as pas de science, là, tais-toi.
Ça, c'est dans les esprits, c'est dans la conscience des gens. Bardan Nas, il passe comme ça. Parmi les salafis, c'est pour ça que je me bats contre ces gens-là. C'est faux. C'est faux. T'en as un, il va arriver à côté de moi, et il va me dire... je parle chez les salafis, parce que si on parle chez les Rachid, chez les Hassani Khoussen, etc., qui ont eux l'arabe, mais eux, c'est les égarés clairement. Donc, bien sûr que je vaux mieux qu'eux, c'est évident, au niveau du manhaj et de la compréhension du dîn, et que toi, si tu vaux mieux qu'eux, etc., puisque le plus mauvais des salafis vaut toujours mieux que le meilleur des innovateurs. Ça, c'est connu. Moi, je parle chez nous, mes frères. Là où il y a un problème, chez nous, chez les salafis. Tu vois, des gens, ils ont l'arabe, ils sont sur la salafia, Inch'Allah. Mais ils ont pas beaucoup d'ilm. C'est pas un dalil qu'il a l'arabe, qu'il a beaucoup de science. Ils ont pas beaucoup de science. Hein. Dans la croyance, il a des erreurs, il a des oublis, il a même beaucoup d'ignorance. Hein. Et puis dans le reste du dîn, il a pas vraiment cherché. Mais il a l'arabe. Il écrit, il parle, il est Mach'Allah. Peut-être même qu'il est né arabe. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas ça. Les connaissances, tu peux les avoir en français, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend dans la roue? Il faut que je débloque tout le monde pour voir s'il y a quelqu'un qui me dit « Oui, non, on te comprend, arrête de te répéter, c'est clair. » Ou je prêche dans le désert tout seul. Non. C'est tellement évident pour moi, en fait. Les gens, ils ont pas beaucoup l'arabe, mais Allah il leur a donné une bonne compréhension de la religion. Qui, certes, connaîtra un stade où il y aura pas... Ouais, ils pourront pas aller beaucoup plus haut. Je pense que c'est mon cas, là, où j'arrive à un point où j'ai encore à apprendre, certes, même en français. C'est clair ce que je dis. Je sais pas, j'ai l'impression... Allah, je parle... J'ai pas dénigré la langue arabe, j'ai donné tous les détails, j'ai essayé d'être clair. Alors, je veux aller plus haut, j'ai encore à apprendre même en français. Mais je voudrais aller plus haut, je sens que ça bloque. Je vois bien qu'il y a un problème. Mais voilà, je vous le redis une dernière fois, vous pouvez voir des sœurs ou des frères avoir l'arabe parfait. Tu l'interroges sur deux points d'arcada, deux firs, des compagnons de ceci, les dates, etc. Il connaît pas. Mais il a l'arabe, attention. T'en as un, tu vas le voir. Il y a trois mots de vocabulaire, l'arabe, peut-être il me prononce mal. Il dit pa, le din, le théorie, tout ça. Tu dis, mashallah. Je préfère être dans la peau du deuxième. Maintenant, bref, donc voilà, j'ai parlé très très longuement sur ça. Et espérons que ce soit bénéfique pour certains. Et puis ceux qui ont envie de parler, ils parleront. Ah, voilà, au sujet de la langue, la magnifique langue arabe. Et on en a besoin, certes, mais on a plus besoin de monothéisme avant tout. Et Kamel a rajouté un verset pour, je pense, m'appuyer. Merci Kamel de votre soutien, c'est très gentil. Ô hommes, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Déjà, on apprend dans le verset que le plus noble d'entre vous, c'est pas l'arabophone, c'est le plus pieux. Ça veut dire que quand Allah a dit qu'il a fait des nations et des tribus pour qu'on s'entreconnaisse, c'est qu'il y a des gens de couleurs différentes, donc évidemment de langues différentes. On est d'accord? Ça, c'est une sagesse d'Allah. Pourquoi il n'y a pas que des Arabes, déjà, premièrement? Et le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Ça voudrait dire que pour être pieux, il faut être arabophone. Subhanallah. J'ai l'impression que des fois, c'est un peu du racisme, presque. Du nationalisme. T'es pas de chez nous, t'es pas, hein, t'as pas l'arabe. Subhanallah. C'est important, c'est la langue du Coran, d'accord. Mais dès que quelqu'un, subhanallah, il n'est pas... C'est forcément un déchet. Il connaît forcément rien. Petit miskin, il a fait des efforts pour apprendre, même avec la langue. Il a demandé à des gens qui sont arabophones de lui expliquer. Il a un cerveau, il comprend, il a un cœur. Allah lui a mis une lumière. Non, ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Je vous dis, des fois, il y en a, ils ont la rage qu'un non-arabophone ait appris plus de science qu'eux qui ont l'arabe. Ouais. Et je vous le dis encore une fois, avec plein d'humilité, c'est pas. Je me vante rien, et je parle de moi quand tout ça. Ils ont la rage, je sais, j'en connais, ils ont le seum, comme on dit. Un seum incommensurable. Il dit, subhanallah, nous on a appris l'arabe, on est là, nanana, et visiblement nos connaissances, ça s'arrête ici et là, et lui, il connaît ça, pourtant, il n'est pas arabophone, subhanallah. Comment il a fait? On est jaloux. C'est Allah qui donne, mon frère. Je le dis sans, il n'y a pas d'ostentation, il n'y a rien, c'est un fait. Je n'ai pas beaucoup de science. J'ai deux, trois petites brides qu'Allah m'a données, alhamdoulilah, et je m'en sers, et alhamdoulilah, ça fait plaisir, et je défends le tawhid, etc. J'ai vraiment pas grand chose. Mais le peu que j'ai, hein, il me le jalouse. Le peu que j'ai, il me le jalouse. Mais pourquoi t'as ça? Pourquoi il a ci? Pourquoi il a ça? Nous, subhanallah, on a appris l'arabe. Ça veut dire que tu as appris l'arabe. C'est Allah qui donne la science. D'accord? Et donc, ça voudrait dire, pour commenter le verset, que le plus noble, hein, d'entre les gens, ce serait celui qui aurait l'arabe, non? Allah, il dit que c'est le plus pieux. Et pour la piété, pas nécessairement besoin d'être arabophone. Un bon adab, une bonne éducation. On t'apprend les bases, les leçons importantes. Ne fais pas de shirk, prie à l'heure, etc., etc. Comporte-toi bien avec ton épouse et tes parents, etc. T'es pieux ou t'es pas pieux? T'es pieux. Mais tu parles pas un broc d'arabe. Donc lui, il ira en enfer. Allez. Bah, désolé, j'ai été long, Allah. Vous vouliez de la réponse. C'est la réponse la plus longue que j'ai fait, je crois, dans un cours. J'ai tout dit à ce propos, j'aurais plus rien à rajouter.
Barakallahu fikoum. Demain, Inch'Allah, c'est pas dans l'après-midi. D'ailleurs, je vais modifier sur l'affiche à chaque fois. Je sais pas pourquoi je l'ai laissé. Je peux plus le faire dans l'après-midi. Je bouge sur Paris à chaque fois. J'ai pas le temps. Inch'Allah. Donc le soir, pareil, 21h30, Inch'Allah. 21h30 pour. Dernier pour. Uddatu al-Sabirin. 21h15 ou 21h30. Je vous confirmerai. Pour le cours La Voie de la Patience, Inch'Allah, demain soir. Subhanallah. J'ai dit c'est fini, je commence à dire subhanallah quand même, combien on ramène encore une question. Fallait même pas me l'envoyer, admin. Il y a des gens qui disent que les Arabes sont le meilleur peuple, c'est vrai. Bonne soirée. Subhanallah quand même, bihamdik. Shadu Allah, ila ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.